Les amis, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission « Ça va Thomas Tognon ». Désolé pour le petit décalage, mais malheureusement, voilà, on est une petite rédac, hein, un petit problème de son qu'on a dû régler. Avant de présenter les invités, je veux juste vous faire un petit rappel. On a lancé notre campagne de dons pour 2024, cette année. Vraiment, vous nous avez soutenus comme jamais. On compte sur vous pour la saison 2024. Je vous le répète, mais tous les dons sont défiscalisés à hauteur de 66%. Donc, soutenez ce média indépendant. Je pense que vous allez vous rendre compte avec la discussion qu'on va avoir ce soir à quel point il est important de soutenir ce genre de média. Et on va commencer tout de suite en présentant nos invités. Paul Melun, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci. Paul Melun, donc vous êtes essayiste, président du laboratoire des idées souverains demain. Exactement. Et auteur du livre « Libérer la gauche ». C'est ça, tout à fait, aux éditions du CERF. Aux éditions du CERF. Daniel Obono, que vous connaissez, député LFI, bonsoir et bienvenue, bonsoir. Daniel. Stefano Palombarini, vous êtes essayiste, vous êtes enseignant. Vous n'avez pas… – Maître de conférence. – Maître de conférence. Et vous vous présentez aussi comme un antifasciste, on va en discuter un petit peu plus juste après. William Taille, que vous connaissez aussi, qui fait partie du milieu mainstream. Alors, vous avez créé un think tank. Oui, tout à fait. Ouais. Vous avez créé un think tank qui s'appelle Le Millénaire. Le Millénaire. Un think tank gaulliste. Voilà. Ok, un think tank gaulliste. Samuel Gontier, bonsoir. Bonsoir. Samuel Gontier, journaliste Télérama. Qui propose une chronique, c'est quoi, c'est hebdo, c'est quotidien sur, chez Télérama ? C'est une chronique sur le site de Télérama qui s'appelle Ma vie au poste, et une autre hebdomadaire sur le journal papier qui s'appelle En léger différé, donc sur la télévision de flux. Voilà. Qui décrypte ce qui se passe à la télé. Merci à vous d'être là. Et Yacine Bellatar, humoriste que tout le monde connaît. Qui a son podcast, donc Les 30 Glorieuses, qui est aussi en spectacle actuellement avec le spectacle En Marge, le 29 et le 30 prochain à Paris. Je crois que c'est complet le 29, mais pas le 30. Non, le 28 et 29 le 28 à Paris, et 29. Et le 30 à Lyon. Et le 30 à Lyon, voilà. Excusez-moi. S'il m'accepte, un Lyon. Et c'est le 28 qui est complet ou c'est le 29? Non, c'est ce week-end-là, c'est complet. Ok, d'accord. Donc vous pouvez encore prendre vos places pour le spectacle de Yacine. On va commencer avec un petit magnéto qui va nous faire un petit peu le récap des différents discours qu'on a pu entendre sur les médias mainstream au lendemain du drame qui s'est passé à Crépol. Et ensuite, on commentera avec nos invités. C'est la reprise en main médiatique du discours médiatique par le gouvernement et par les médias qui font un écran de fumée avec cette histoire ridicule pour faire oublier... C'est ridicule ? Pour faire, oui, c'est ridicule par rapport au meurtre de Thomas. Oui, c'est ridicule par rapport aux dizaines de morts qui sont de la main des racailles arabo-musulmanes. Oui, c'est ridicule. Et c'est ridicule parce que ce sont toujours les Thomas qui tombent et ce sont toujours les chaïds qui les tuent. Voilà. Thomas, comme d'autres, ont été attaqués par une bande armée, organisée, punitive, selon certains témoignages qui voulaient planter des blancs. C'est ça qui choque. N'inversons pas les problématiques. Vous ne voulez même pas ni qualifier ni commenter ce qui est apparu comme une manifestation d'ultra-droite avec des slogans racistes. Tout ça, vous le mettez de côté. Je n'ai pas ça ne vous intéresse pas. Je n'ai pas à commenter des faits que je ne connais pas, dont la justice est saisie. On verra bien ce qui se passe. Je ne sais pas qui a manifesté. Il y a eu une vingtaine d'interpellations, c'est vous qui le dites. Tous les hommes de l'immigration musulmane, etc., rejoignant une espèce d'armée séparatiste fantasmagorique, on aurait quoi? On aurait 2 millions de personnes. Il y a 30 000 armes dans les banlieues. Allez, on va multiplier ça par deux. On va dire qu'il y a 60 000 armes, ce qui n'est pas vrai, mais admettons qu'il y a 60 000 armes. Déjà, il y a 450 000 personnes qui sont armées et entraînées dans les forces de l'ordre, mais surtout, de 20 à 50 ans en âge de se battre, il y a 12 millions de Français qui seraient prêts à faire le coup de feu. Donc il faut arrêter
avec ce délire que la France, elle est déjà foutue, elle s'est effondrée, elle va s'effondrer, etc. La France, c'est le pays qui a fait sauter le palais des Tsars à Moscou. C'est évidemment pas un pays qui va s'écrouler face à quelques espèces de zozos dépenaillés avec des couteaux qui crient à l'Akbar dans tous les sens. Parce que si on parle d'un danger qui menace la France, à la suite, quand même, rappelons-le, de la mort de Naël, il y a eu 58 000 groupuscules d'extrême droite. Est-ce que c'est parce qu'au sein de Reconquête, mais parce qu'on s'en fiche, fondateurs, parce que, mais parce qu'on s'en fiche, parce que aux portes de votre studio, avant-hier, il y a un homme, un terroriste islamiste qui a encore tué et blessé des gens, et que c'est ça qui menace la France aujourd'hui, et que tout le temps qu'on passe à parler de ça, c'est donner du crédit, Marion Maréchal, c'est donner du crédit à une menace, je suis désolée, qui n'existe pas. Et donc moi, je ne veux pas une menace qui n'existe pas. Oui, qui n'existe pas. Excusez-moi une fois de plus, combien de meurtres, combien d'attentats, combien de viols. De toute façon, quand on voit cette tête là, on ne devrait pas pouvoir avoir des barbes pareilles. C'est pas sûr. Ah non, mais. Alors, Samuel, c'est à vous que je vais poser la première question, parce que vous avez l'habitude justement de commenter dans votre chronique justement ces différents discours et puis la représentation de ce genre de discours d'extrême droite dans les médias. Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez vu toutes ces réactions au lendemain du drame de Crépol? Déjà, je voudrais noter que sur les magnétos qu'on vient de voir, sur les extraits qu'on vient de voir, c'est quasiment que des chaînes infos, en fait. Et effectivement, ça s'est beaucoup passé sur les chaînes infos, ce phénomène médiatique autour de la mort de Thomas à Crépol. Ça tombe bien, mais il se trouve que je les ai beaucoup regardés aussi. Et c'est pas anecdotique, parce que les chaînes infos ont une puissance assez incroyable aujourd'hui en France par rapport à d'autres pays. Mais en gros, si on additionne les audiences quotidiennes de CNews et de BFM TV, c'est 8,5 millions, 12 millions respectivement. Donc on arrive à plus de 20 millions, c'est-à-dire largement plus que l'audience cumulée des JT de 20h, de TF1, de France 2. Si on ajoute en plus LCI, France Info, voilà, on est largement deux fois plus que les 20h des grandes chaînes. Donc ces chaînes info ont beaucoup parlé de cette affaire et ont joué un rôle énorme dans l'amplification de cette affaire, avec un pouvoir qui n'est pas seulement celui de l'audience, mais qui est aussi celui de la mise à l'agenda médiatique, c'est-à-dire que c'est elle qui réagit le plus vite, c'est elle qui invite les politiques, qui suscite plus vite le plus vite les réactions, et donc c'est elle qui fixe un petit peu l'agenda médiatique, y compris ce dont on va parler ailleurs dans les autres médias, sans compter que ces chaînes sont beaucoup reprises et passent elles-mêmes leurs propres extraits sur les réseaux sociaux, donc ça prend une ampleur qui est encore plus vaste que celle de l'audience à un instant T, qui n'est pas forcément énorme. Et voilà, un effet de elle joue beaucoup sur l'agenda médiatique. Et il se trouve que là, la question, le sujet dont on parle, la mort de Thomas à Crépol, c'est l'extrême droite qui a décidé de le mettre à l'agenda avant que les chaînes info ne se saisissent de cet agenda. Et parce que c'était un meurtre qui intéressait, on va sûrement le détailler, mais c'était un meurtre qui intéressait beaucoup l'extrême droite, comme d'autres, elle en avait pris d'autres avant, comme la mort de Lola. Donc, choisit certains faits divers qui permettent de servir son discours. Et quand. Et du coup, il y a un effet de cadrage aussi, c'est les deux grands rôles des chaînes d'infos, je finis juste. Il y a un effet, donc elle joue sur l'agenda, vraiment, elle décide de l'agenda médiatique, mais il y a aussi du cadrage, c'est-à-dire comment on va parler des sujets qu'on a mis à l'agenda. Et là, le cadrage, au départ, c'est celui de l'extrême droite. Ouais. Et les chaînes d'infos vont le reproduire tel quel. Mais c'est aussi un choix, c'est-à-dire que inviter aujourd'hui les politiques, les représentants politiques d'extrême droite au lendemain de ce genre de drame, on a l'impression que c'est de plus en plus habituel le lendemain de la mort de Thomas. Et puis on l'a vu dans la semaine qui a suivi. On a même eu sur la même chaîne Marion Maréchal à 20h et à 22h. Daniel, votre réaction par rapport au discours qu'on vient d'entendre sur ces différentes chaînes mainstream? Disons que c'est la traduction d'un... Je vais faire la politique, du coup, de manière générale, ce qui se passe dans le plan politique. Parce que, d'abord, il y a un choix, effectivement, de ces chaînes, parce qu'elles font de la politique. Moi, je pense que la première chose à rappeler, c'est qu'elles font de la politique. Les personnes qui possèdent les chaînes font de la politique, et les personnes qui produisent et qui invitent, et les journalistes, à guillemets, font de la politique. Là, je pense que le mythe
de médias ou de journalistes qui serait un espèce d'espace où on donne les armes du savoir pour pouvoir se faire un avis éclairé sur les choses. Donc voilà, dans l'idéal auquel tout le monde peut souscrire. Enfin, ça fait, je pense, un certain nombre d'années qu'il est écorné, mais ces derniers mois et ces dernières semaines ont montré qu'en fait, ça n'existe pas. Donc on est dans un espace qui est organisé politiquement et où, du coup, il y a des canaux de passage entre voilà, les activistes d'extrême droite ou sur les réseaux sociaux ou en dehors dans des organisations comme les groupuscules justement qui essaient d'aller faire le coup de poing dans telle ou telle ville après des drames. Mmh. Et c'est par ces canaux-là en fait de filiation et de sensibilité politique que ça passe. Donc pour moi, en tant que politique militante et élue, c'est d'abord ce que je vois, c'est-à-dire que ce champ médiatique, il est structuré en fonction des rapports de force qui existent aujourd'hui dans le champ politique. Je ne parle pas de la société parce que je pense qu'il y a un décalage justement. Et ce qui est aussi criant, c'est le décalage qu'il y a entre ce qui est représenté dans les médias de la société et une certaine réalité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ces discours-là qui sont repris, bien sûr, mais la réalité des gens, en fait, elle n'est pas ça, elle est à mille lieues de ça. Et il y a cette dualité aujourd'hui dans comment est représentée la réalité, c'est-à-dire que les gens, ils entendent en continu les chaînes d'infos, dans la voiture, etc., mais leur vie, elle ne correspond pas du tout à ça. Et pour moi, c'est ça qui est assez marquant, c'est-à-dire qu'on construit un espèce de monde de champs de penser comment les gens s'imaginent que les Français vivent ou sont ou pensent et qu'est-ce qu'ils veulent qui est je vais pas dire purement fictif mais qui est vraiment idéologique quoi idéologiquement et donc c'est ce qu'on a vu pour moi c'est l'expression de ça c'est-à-dire que ce qui est des drames qui existent des faits divers c'est pas pour minimiser la gravité des faits mais voilà, dans les fêtes de village, les rixes, les tensions, des choses voilà, qu'on peut expliquer, dont on peut expliquer, y compris l'engrenage, avec des caractérisations parfois voilà, racistes ou autres, devient un sujet politique parce que ceux qui font les médias et l'information ont décidé d'en faire un sujet politique. Justement, les médias, dans un premier temps, enfin, avec ces discours d'extrême droite, interdisaient de parler de rixes, ils revenaient aussi souvent. Ils présentaient souvent ce drame en parlant de deux camps et en reprenant la phrase de Gérard Collomb qu'on a entendue partout. C'est-à-dire que j'ai l'impression que même sa mort, on en a moins parlé que cette phrase. Et est-ce que vous êtes d'accord, William, avec les discours qu'on a pu entendre et avec cette opposition de deux France qui a été très rapidement amenée dans les médias au lendemain de la mort de Thomas ? Oui, moi, je veux revenir sur les propos de Samuel Gontier qui disait que les médias, en fait, écrivaient une sorte de narrative. Moi, je pense que les médias, ils n'essayent pas d'écrire un narratif, ils essayent de suivre et de capter un audimat dans la mesure où ce sont des chaînes privées. Ils essaient de gagner de l'argent, ils essaient de ce qu'on appelle capter une part de marché. Or, il y a un événement qui est nouveau, qui a profondément muté les médias, c'est l'apparition de ce qu'on appelle des médias d'information, donc les réseaux sociaux. C'est-à-dire que lorsque vous êtes média, notamment une chaîne de télévision, actuellement, à l'époque, vous aviez des capteurs dans la société, le JT de TF1, un nombre de représentants incroyables qui permettent d'avoir une idée de ce qui se passe en France, mais une chaîne d'information, vous avez à peu près 100 personnes qui bossent dans une chaîne d'information, ou 500 pour la plus grosse, c'est-à-dire BFM TV. Lorsque vous avez 500 personnes, est-ce que vous êtes en capacité de capter un pays qui est maintenant fracturé, qu'on appelle la France archipélisée, comme pour reprendre les propos de Jérôme Fourquet, ou est-ce que vous suivez uniquement les tendances des réseaux sociaux. Donc je pense que les médias suivent les tendances des réseaux sociaux et c'est maintenant les réseaux sociaux qui imposent une tendance et un narratif aux médias. C'est-à-dire que c'est les médias qui suivent ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Or, les réseaux sociaux, certains groupes, certaines, ce qu'on appelle la tyrannie des minorités, ont réussi à imposer des thèmes dans l'agenda public. On peut parler de, par exemple, un influenceur qui est populaire, Damien Rieu, qui, lorsqu'il fait un tweet, est repris notamment par beaucoup de chaînes d'information et donc arrive à imposer un certain narratif. Quand vous arrivez dans cette situation, vous êtes une chaîne de télévision, vous voulez capter au maximum. Je crois que la meilleure chaîne actuellement, c'est BFM, ça capte 3% des parts de marché. Donc au maximum 800 000, 1 million de personnes. Et vous vous dites que pour capter et pour que ces personnes qui sont actuellement sur les réseaux sociaux regardent votre télé, et vous prenez les thèmes qui apparaissent dans ce qu'on appelle les tendances Twitter ou les tendances Instagram, Facebook, etc. Donc je pense que c'est ça le premier élément. Le deuxième élément qui est important, c'est que lorsque vous avez des thèmes qui sont imposés, donc il y a un choix éditorial des chaînes, parce que les chaînes ne font pas les mêmes choses entre CNews, LCI et BFM, ils n'ont pas les mêmes choix éditoriaux, vous avez ensuite des politiques qui imposent un narratif. C'est-à-dire que si par cas vous êtes Éric Zemmour,
Zemmour, Marion Maréchal ou Marine Le Pen, et ben vous dites que pour imposer votre thème, et ben pour gagner plus de voix, donc comme votre thème de crédibilité c'est la sécurité et l'immigration, vous dites qu'il vaut mieux imposer les thèmes de la sécurité et l'immigration. Si vous êtes plutôt comme Madame Obono sur les questions plutôt sociales, donc la France insoumise, vous essayez d'imposer plutôt un thème qui est une question de clivage social. Et en fonction de ces thèmes, c'est ensuite d'abord les réseaux sociaux qui imposent un thème, les médias qui les reprennent et les politiques qui se battent pour imposer un récit et pour l'instiller à l'ensemble des Français qui est ensuite après reprise sur l'ensemble des chaînes. Mais dire que les chaînes d'information traitent et décident de ce qui se passe dans l'actualité médiatique, c'est faux pour deux raisons principales. La première, c'est que lorsque vous prenez les trois grandes chaînes d'information, au maximum, elles représentent 10% des parts de marché. Au maximum. C'est-à-dire que 40 millions de Français s'en foutent complètement de ce qui se passe. En audience cumulée, ça fait quand même plus de 20 millions de personnes. Oui, mais en part de marché, c'est moins important. Oui, bien sûr, que les... ça veut dire que chaque jour, il y a plus de 20 millions de personnes qui vont passer leur temps sur ces chaînes. Et vous allez voir, je vais arriver au deuxième point qui est très important. C'est-à-dire qu'on a trop souvent parlé, et il est actuellement à l'affiche des médias qu'on appelle Bolloré. Quand vous regardez ce qu'on appelle les grands blocs, il n'y a quasiment pas de différence entre le bloc de 2017 et le bloc de 2022 en termes électoraux. C'est-à-dire que l'influence présupposée de CNews, des grandes chaînes de médias, etc., n'a pas eu d'influence sur les questions électorales. Jean-Luc Mélenchon fait à peu près le même score entre 2017 et 2022. Marine Le Pen fait exactement le même score quasiment entre 2017 et 2022, et Macron bouffe ce qui reste de la droite républicaine qui s'éparpille entre Pécresse, Zemmour et Macron. Voilà. Stéphano, est-ce que vous êtes d'accord avec ce propos? Est-ce que vous pensez que finalement les médias n'influencent pas le vote ou n'influencent pas la société ? Je suis à moitié d'accord. Une première remarque sur les réseaux sociaux et les rapports avec la télé, il y a sans doute un rôle. Hein. Mais alors, moi, j'ai en mémoire la campagne électorale de 2001, donc je suis assez vieux pour m'en rappeler. C'était à la sortie du gouvernement Jospin. Et les derniers 6 mois, toutes les chaînes télé avait tourné autour de l'insécurité, de l'immigration, etc. Et c'était, il n'y avait pas des réseaux sociaux, enfin, je ne me rappelle pas des réseaux sociaux très importants à l'époque. Hein. Et voilà, donc il y avait eu Jean-Marie Le Pen au second tour. Pas comme un effet. Je ne pense pas que la partie sur laquelle je suis d'accord, c'est qu'il ne faut pas surévaluer non plus le pouvoir des télé dans l'effet d'orienter les votes. Par contre, je pense que les médias, en général, ils ont un vrai pouvoir sur les choix des thèmes autour desquels s'orientent les débats politiques ensuite. Hein. Je ne pense pas que, par exemple, Zemmour avait du soutien médiatique qui lui a fait espérer sans doute de faire un meilleur résultat à la présidentielle de ce qu'il a fait. Donc, de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'une chaîne télé ou des chaînes télé puissent décider qu'un certain candidat sera le président. Ça, je ne pense pas qu'ils aient un pouvoir comme ça. Mais par contre, pour choisir les thèmes, orienter les débats autour des thèmes, ce que font les chaînes, elles ne reflètent pas les rapports de force politique. Parce que du point de vue des rapports de force politique, en ce moment, il y a à peu près 3 blocs du même poids. Bon, et moi, je ne suis pas un grand... Je ne regarde pas souvent la télé. Ce que je vois de la télé, je n'ai pas l'impression que la position de la gauche radicale, disons, qui pèse un tiers à peu près du paysage politique. Je n'ai pas l'impression qu'elle pèse un tiers dans les grandes chaînes télé. Donc les rapports de force ne sont pas les mêmes pour des raisons qui sont assez évidentes. Quoi. Il n'y a pas les propriétaires, les gros propriétaires des médias, il n'y en a pas beaucoup qui ont un agenda politique et regardent de la gauche. Ouais, qui, c'est vrai qu'ils ne sont pas très représentés. Est-ce que tu es d'accord avec ces propos-là, Yacine? Tu penses que... Je suis d'accord avec tout le monde, à part le think tank gaulliste, hein, pardon. Mais, tu penses que Zemmour n'aurait pas fait, aurait fait 7% sans cette favorisation dans les médias, sans le groupe Bolloré, comme on l'a dit derrière lui? Non, je pense qu'il faut aussi arrêter avec Bolloré, parce que celui qui a été le plus préjudiciable ces dernières semaines, c'est concrètement Drahi. Parce que dans le narratif qu'on avait ces derniers temps, c'était un peu Rémus et Romulus. On disait BFM, quelque part, c'est un peu plus sérieux que CNews. Et en 3 mois de temps, c'est très court, hein, Drahi, étant vendeur de sa chaîne, a décidé de faire monter l'audience, quoi qu'il en coûte. Et donc, on s'est retrouvé à être la risée mondiale du conflit israélo-palestinien dans son narratif. Là où des chaînes anglo-saxonnes nous ont donné des leçons en disant « on ne va pas s'engager, on ne sait pas le nombre de morts ». Et malgré le fait que j'ai des désaccords avec Jean-Luc Mélenchon, le fait qu'on le convertisse en épouvantail de ce qui se passe en France, bon, il faut vraiment lui retirer Twitter. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas du jour au lendemain l'accuser de choses qu'il n'a même pas dites. Et à un moment, ça a commencé à prendre. Et j'ai vu, moi, cette chaîne BFM ces derniers jours,
je suis très grand fan de Samuel Gontier, mais j'ai vu, en fait, c'est quasiment pour moi qui suis un artiste, quelque chose d'artistique, c'est-à-dire que j'avais l'impression de regarder un tableau de Dali ou de voir tout prendre feu, c'est-à-dire quand tu vois ce qui s'est passé avec Dominique de Villepin, qui dit quelque chose, et il n'y a aucun journaliste, c'est 500 journalistes BFM, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est qu'aucun journaliste dit, excusez-moi, en fait, il n'a jamais dit le mot juif, et je le dis ici, ça finit par porter préjudice aux juifs eux-mêmes, parce qu'eux ne sont pas décideurs du contenu, et ça crée une espèce de machine sur les réseaux sociaux. Et là où je ne suis pas d'accord, c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont devenus le média de ceux qui n'ont pas accès aux médias. Oui. Donc en fait, par exemple, pour parler des banlieusards, la plupart des gens que je vois moi dans les cités ne regardent pas la télé. Ils ont le même point de vue que vous. C'est qu'en fait, ils s'informent d'une autre manière. Donc ils prennent, c'est du pick and choose, ils prennent un peu là. Et quand ils voient ça, ils disent « Ah oui, mais quelque part, les médias, c'est détenu par les juifs. » C'est une phrase qu'on entend souvent sur le terrain. Et qu'on leur dit « Mais pas du tout. Bolloré n'est pas juif. Drahi... » Bon, il s'en est jamais caché, le fait de le dire n'est pas un reproche. Mais là où Drahi a été inconscient, c'est le fait de nous faire croire que la ligne éditoriale de I24 était aussi sérieuse que celle de BFM. Et il s'est passé à un moment cet effondrement médiatique qui fait qu'aujourd'hui, les Français, ça par contre c'est clair, ne font pas confiance aux médias. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et là où je suis d'accord avec ce qui est dit, les thématiques les plus importantes des Français, ça n'a jamais été l'insécurité ou l'immigration. C'est des sujets comme l'inflation, c'est déjà la première question. Et moi, je suis plus subjugué par un moment de violence sur BFM où le patron de Leclerc dit « je ne vais pas baisser le prix des pâtes », qui est vraiment un bras d'honneur à tous les Français, que d'inviter quotidiennement des membres de l'extrême droite. Apolline de Malherbe, quand elle invite Éric Zemmour, il ne faut pas oublier quelque chose. Éric Zemmour n'est pas élu. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, comme Marion Maréchal, c'est le fait de se dire « je suis un tabloïd anglais ». C'est du racolage. Et je le dis parce que j'ai fait partie de cette émission et j'ai beaucoup de sympathie pour Cyril, un peu moins pour Hanouna quand il fait ce genre de contenu. Mais quand Cyril Hanouna décide de prendre son émission, qui est une émission phare, et d'en faire une émission d'actualité, ça fait bouger les lignes en France. Et là où je suis d'accord, c'est que ça n'a pas d'incidence sur le vote, certes, mais ça a une incidence sur le vivre ensemble. Parce que le risque réputationnel qui a amené à Crépol, c'est ça. Je vais vous dire quelque chose. Hier, dans mon podcast, j'ai eu un enfant de Crépol qui vient de la Cité de la Monnaie. Il a quitté la cité, c'est les histoires de banlieusards. Il a une ascension, il est sorti, il habite à Annecy. Hier, il est venu dans mon podcast... J'ai 3500 abonnés, donc c'est un peu moins que BFM. Et le mec a dit, mais Thomas, c'est l'un des nôtres. Il a dit cette phrase qui m'a, rien que de vous le dire, là, j'ai la chair de poule. Et je me suis dit, mais ce môme-là, il a mon âge, il a 42 ans. On l'invite à BFM, on lui fait dire cette phrase. Ouais. Ça apaise tout le monde. Il a dit, moi, je viens de la Drôme. J'ai joué au rugby dans le club. Et je me suis dit, il m'a raconté une histoire qui est folle. CNews est allé à la Cité de la Monnaie. Ils sont tombés sur ce mec-là. Il leur a dit le même narratif. Et ils ont baissé leur caméra devant lui. Et ils ont dit, c'est pas ça qu'on veut entendre. Et là, c'est quelque chose qui est fou. Je crois que tu es mieux placé que nous tous pour le voir. C'est quand, en fait, les chaînes d'infos se comportent comme Netflix. Et qu'en fait, ils écrivent l'actualité comme une série avec des bons et des méchants. Mélenchon, visiblement, je suis d'accord, est un très méchant. Dans la saison 8, c'est vraiment... Il faut regarder ça. Alors qu'en fait, je suis affecté parce que je trouve que Mélenchon est tombé dans ce piège médiatique et qu'en même temps, ça l'a pas mal arrangé. Mais quelque part... Je parle souvent de la LFI, il y a beaucoup de talents. Mais dorénavant, quand on les invite, la LFI, ils passent, mais je ne crois pas me tromper, ils passent 30 minutes à expliquer les tweets. Mais eux, c'est une circo, c'est une vie. Et en fait, parler tout le temps de ça, et je l'ai vu, moi, la dernière interview que j'ai faite avec Benjamin Duhamel, il a fallu que je le fasse venir à mon spectacle la veille. Il a fallu que je crée un moment humain, rationnel, pour qu'ils comprennent qu'en fait, on allait faire une interview à dimension humaine où on pouvait dire la vérité. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui, quand je lui dis « Mais pourquoi on ne fait pas une interview simple ?» Mais lui, il se dit « Mais non !» Et comme disait Samuel, il faut déjà mon accroche sur les réseaux. Il faut déjà que j'ai la punchline qui fait que pendant une semaine, on va inviter Ciotti, Zemmour à venir. Donc quelque part, ce que je te disais, et tu as tout à fait raison de le souligner ici, c'est qu'ils n'ont pas le temps. Et quand ils n'ont pas le temps, ils vont plus vite que la musique. Et en fait, ils se disent « Il faut qu'on parle de moi. » Et c'est vraiment, il faut relire Icare. Beaucoup veulent aller se confronter au soleil. Beaucoup se brûlent les ailes. Et en fait, objectivement, là, BFM, ils doivent se dire, on est racheté. Le nouveau patron, il va faire une purge dans la rédaction. Donc là, il y a des journalistes qui sont allés côtoyer l'extrême droite, qui ont fait des bisous à l'extrême droite. Ils doivent se dire, je vais pas m'en sortir. Qui vont peut-être pas survivre à ce changement de direction. Paul, pour revenir un petit peu à ces extraits, à ce qui s'est passé au lendemain de Crépol, est-ce que vous êtes d'accord avec ce narratif qui est toujours soutenu par, on verra tout à l'heure un extrait,
par un animateur, par exemple, comme Pascal Praud, qui nous a parlé d'un système et qui veut à tout prix opposer ces deux France. Alors, d'abord, il y a un premier sujet qui, à mon avis, est fondamental, qui est celui des biais idéologiques que peuvent avoir les journalistes. C'est presque, d'ailleurs, là, une question de philosophie. Est-ce qu'un journaliste, dans son métier, même le mieux intentionné du monde, peut rendre compte d'une information sans aucun biais idéologique et avec une sorte de neutralité divine? C'est pas possible. Tout le monde a un biais idéologique. Certains très forts, certains radicalement de droite, certains radicalement de gauche, certains radicalement du centre. Certains sont libéraux, certains sont mondialistes, certains sont décolonialistes, néo-féministes, d'autres peut-être je ne sais quoi. Il y a plein de biais idéologiques. De toute l'histoire des médias, et on peut faire une généalogie des médias depuis l'ORTF ou depuis, j'ai des exemplaires chez moi, du Petit Journal à la fin du 19e siècle. Vous lisez l'histoire au 19e siècle dans le Petit Journal des colonies, je peux vous dire que là, le biais idéologique, c'était quelques décennies, voire siècles avant les chaînes d'information, vous aviez déjà un biais idéologique extraordinaire. Donc je pense que vouloir demander à des journalistes d'être d'une immense neutralité sur des sujets comme, par exemple, la mort de Thomas est illusoire et même, je dirais, pas très simple pour la démocratie. Je pense que la démocratie, c'est une garantie que, dans le paysage médiatique, il puisse y avoir du pluralisme, plusieurs opinions qui se confrontent. Par conséquent, si un journaliste ou un éditorialiste ou un chroniqueur, ou là, dans votre très bon magnéto, vous aviez aussi des hommes et des femmes politiques, ont un biais idéologique et affichent idéologiquement leur position, c'est très sain. Le problème, c'est qu'il faut qu'en face, il y a une autre personne qui est un autre narratif, qui est un autre récit, qui puisse les contredire. Marion Maréchal-Le Pen, par exemple, dans l'extrait que vous avez montré, je crois que c'était sur la 27, c'est chez France Info, elle dit quelque chose, Marion Maréchal, et en face, votre consoeur journaliste, elle l'interrompt et elle lui fait dire autre chose. Je crois qu'Apolline de Malherbe, dans ses interviews, notamment avec Éric Zemmour, elle l'a contredit à plusieurs reprises. Et en plus, il n'y a pas une équidistance entre l'intervieweur et l'interviewé. L'idéal, moi, ce que j'aime bien comme moment de télévision que je regarde, c'est par exemple le débat Mélenchon-Zemmour. J'aime bien. Parce que là, si vous voulez, il y a une équidistance dans le choc intellectuel et idéologique. Et je crois que c'est ça la force du débat. Et moi, en tant que débatteur régulier sur plein de chaînes de télévision, de radio, certaines du service public, certaines privées, enfin, je vais un peu où on m'invite, la preuve, je suis là ce soir. Tout ce que je demande, c'est qu'on ne me dise pas à l'avance ce que je dois dire, c'est ma condition pour venir, et qu'ensuite la parole... TPMP, alors, c'est pour, ben, en tout cas, j'y vais pas. Ce sera pas mais possible. En tout cas, et je regarde peu l'émission, je connais pas très bien le principe, en tout cas, moi, ça, c'est mon premier point. Et ensuite, c'est le fait qu'il y ait des contradicteurs de tous les bords possibles. Si vous faites une émission où autour de la table, vous avez que des néo-féministes un peu woke ou que vous avez que des zémouriens en herbe, moi, je vais dire c'est une drôle d'émission. Par contre, si j'ai le zémourien, la néo-féministe et qu'au milieu, j'ai un macroniste un peu libéral, ah, je dis ça, c'est un bon plateau et je suis content de me lever le matin pour y aller, voyez-vous. Donc je pense qu'on a tort de vouloir désidéologiser les médias. Je pense que tout le monde fait de la politique, en fait, pour être franc. Les grandes entreprises font de la politique intellectuellement, dans leur biais, dans leur publicité. Il y a des formidables sociologues comme ça qui ont travaillé la sociologie de la publicité. Les hommes politiques font de la politique et c'est bien heureux. Les journalistes font de la politique. Les chroniqueurs télévisés font de la politique. Et si vous voulez, même d'ailleurs, les administrations, à certains égards, dans leurs choix, dans leurs biais, ont des choix idéologiques. Je trouve tout ça plutôt sain. Par contre, ça doit se faire au grand jour, ça doit se faire à la loyale et dans de vrais débats. Ça, c'est ma condition intellectuelle pour me nourrir aussi de ce qui se produit dans les médias. Ça doit aussi se faire dans le cadre de la loi. Et quand Zemmour nous dit que c'est toujours des Williams qui tombent, c'est toujours des Thomas qui se font tuer par des chaïds. Je crois que c'est là on sort du cadre de la loi. Il a été condamné pour à peu près les mêmes propos en 2011. Et c'est là où ça devient problématique, c'est que bien sûr une idéologie et bien sûr que les journalistes peuvent interpréter. Mais là, on a voulu à tout prix nous raconter une histoire qui était différente apparemment de la réalité, même si on n'est pas au bout de l'enquête. Et on a voulu à tout prix nous présenter cette expédition punitive pour aller tuer des Blancs. Et je vous voyais hocher de la tête, Daniel. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Paul, même si je comprends le propos. Je trouve qu'on en retire l'aspect dangereux et puis on va venir juste après pour commenter justement ce qui s'est passé après ces prises de parole justement à Romans-sur-Isère. Je pense que d'abord, assumer le fait qu'effectivement, on parle toujours d'un point de vue. Même quand on est journaliste, on est situé. Et donc,
Le problème, c'est que dans le discours sur les médias, c'est de faire croire que ce n'est pas le cas, qu'il y a une espèce de neutralité. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas bien son boulot, qu'on n'est pas professionnel. Donc, assumer le fait qu'on on parle d'un certain point de vue. Après, je ne suis pas sûre qu'il suffise de mettre un petit peu de droite, de gauche, de centre, etc., pour faire un vrai débat politique. Parce que, y compris ce qui a été dit sur l'économie du système médiatique, qui fait que, en fait, c'est des formats qui ne permettent pas, en vérité, y compris en comprenant des points de vue très différents, qu'on comprenne le sens, d'ailleurs, de l'opposition, si ce n'est réduite à voilà, la petite phrase, la virgule, le mot qu'on lâche parce qu'on n'arrête pas de vous... Donc c'est aussi le format général et le cadre qui contraint. Et par ailleurs, par rapport à ce que vous disiez, je rappelle aussi que les chaînes, elles sont censées respecter un certain nombre de règles. Il y a l'ARCOM maintenant, pour pouvoir, ce que vous avez fait, le média, pour pouvoir avoir une place dans le paysage audiovisuel, on est censé avoir un certain nombre de conditions qu'on est censé respecter. Et il y a aussi un problème par rapport au fait qu'il y a des propos qui sont tenus, qui tombent sous le coup de la loi, et que les chaînes ont une responsabilité là-dedans, et qu'elles récidivent en permanence à... voilà. Et ça, c'est un problème. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, on a décidé de faire notre commission d'enquête parlementaire sur la question, puisqu'en 2024, il va y avoir la renégociation, justement, des autorisations. Oui, pour 2025. Il y a 15 chaînes qui arrivent au terme de leur contrat. Et qu'il serait temps, quand même, de mettre les chaînes devant leurs responsabilités, et de mettre l'ARCOM aussi devant ses responsabilités, en demandant pourquoi est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir des propos qui devraient tomber sous le coup de la loi, et les chaînes sont tenues, en fait, de prévenir ça. Pas bien simplement sûr. Après de se faire sanctionner, enfin, quand il y a des sanctions, mais de prévenir et de pas... voilà, quelqu'un qui a eu tels propos sur sa chaîne, on ne le réinvite pas 15 fois alors qu'on sait que c'est quelqu'un qui a été condamné. Et donc, je pense que ça, c'est, pour le coup, c'est de la responsabilité politique de dire, ben, en fait, il y a des organes qui sont censés réguler, permettre justement qu'il n'y ait pas des propos d'incitation à la haine, d'injures, etc. C'est la loi, et donc les organes devraient faire leur travail. Et je pense que c'est précisément pour ça que nous, on va faire cette commission d'enquête pour demander des comptes. À l'administration. C'est pas une administration en tant que telle, mais en tout cas à l'organe qui est censé réguler cela. C'est vrai que les personnes qui reçoivent ce message directement dans la tête et qui se sentent discriminées par ce genre de paroles, aujourd'hui sont totalement démunies. Elles ne savent pas quoi faire, elles ne comprennent pas pourquoi est-ce que l'ARCOM ne fait pas respecter juste ces conditions légales sur un plateau télé. Et il y a aussi la question de la concentration des médias, oui, qui est importante. On a parlé de Drahi, on a parlé de Bolloré, et c'est vrai que quand on a les mêmes discours à peu près, ou en tout cas le même angle qui va être étudié sur des faits divers ou des faits d'actualité, forcément ça va imprégner le public qui va croire en ce narratif. Et on va voir justement ce qui s'est passé après ce genre de discours à Romans, sur Isère. On regarde le magnéto. De regarder la vidéo, mais est-ce que vous pensez, Samuel, qu'il y a un lien direct avec ces personnes qu'on a dans un premier temps présentées comme des manifestants, nous sur les réseaux sociaux, une manifestation aussi, oui, et sur les réseaux sociaux, on a très vite vu. Enfin voilà, parce que malheureusement, il y en a qui se sont perdus dans les bras de ces jeunes de quartier. Ils ont pu regarder ce qu'il y avait dans leur téléphone. On se rend compte que c'était une manifestation de la pire extrême droite française qui échange des messages pour s'organiser sur des groupes Telegram qui sont illustrés par, par une photo d'Hitler ou par le drapeau nazi. Et c'est là où on se demande la responsabilité des médias dans ce qui peut se passer après la manière dont ils vont présenter ce fait divers qui, comme l'a dit Daniel tout à l'heure, reste un drame, quoi qu'il arrive.
On arrive du coup un peu au thème de la guerre civile, parce que là, ça fait, enfin, tout le monde en voyant ça à la télé a commencé à parler de guerre civile, mais en fait, on en parlait déjà avant. Au passage, je regrette juste qu'on soit 6 hommes pour une femme. Alors, c'est peut-être parce qu'on parle de guerre, justement. Généralement, c'est souvent la guerre est réservée aux hommes. Non, ça, on le regrette tous. Ouais. On a essayé de. Enfin, on essaye chaque semaine, malheureusement. On ne peut pas les forcer à venir. Et malheureusement, le système fait qu'elles sont plus occupées, je pense. Non, mais voilà, c'est une petite plaisanterie à propos de guerre, parce que quand on parle de guerre, en général, c'est des hommes, et l'émission de ce soir ne fait pas exception à la règle. Non, alors la guerre civile, on en parle depuis longtemps sur CNews. C'est un thème, depuis que Bolloré a racheté, ou peu après, c'est un spectre qu'on brandit régulièrement. Par exemple, Yvan Rioufol, on a parlé très souvent, maintenant il n'y est plus. Là où c'est nouveau, c'est que ça s'est généralisé. C'est-à-dire que c'est plus seulement CNews qui en a parlé, c'est BFM qui l'a repris à son compte, validé par Gérald Darmanin aussi. Alors, comment ça s'est. Enfin, avant ce vendredi, cette manifestation, c'était le samedi suivant le samedi de la mort de. C'était après la marche pour Thomas, justement. C'était voilà. Le soir de la marche. Et donc, c'était une semaine après la mort de Thomas. Et donc, pendant toute cette semaine, on a commencé à entendre parler de guerre civile. Et de gens, je reviens un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi des gens d'extrême droite ont été invités? Parce que c'était eux qui parlaient, qui alertaient sur ce fait divers sur les réseaux sociaux. Donc, qui on invite? Les gens qui en parlent. Et les gens qui en parlent, c'est l'extrême droite, qui servent un discours d'extrême droite. Et là où il y a un peu une nouveauté aussi, c'est que les réseaux sociaux, effectivement, dans ce cadre-là, jouent un grand rôle, puisque la fachosphère est très présente sur les réseaux sociaux. Mais la télé suit, effectivement. Mais il y a aussi un effet de boule de neige. Et la télé aussi alimente les réseaux sociaux. Donc je suis d'accord sur le grand rôle des réseaux sociaux. Mais d'ailleurs, c'est intéressant d'observer qu'ils sont arrivés exactement au même moment, au mi-temps des années 2005. C'est là que sont arrivés à la fois les chaînes infos en France et les réseaux sociaux. Avec l'élargissement de la TNT, etc. Voilà. Et en fait, il y a un effet d'alimentation, les uns alimentent les autres, ce que Bourdieu appelait la circulation circulaire de l'information. Et voilà, c'est difficile après de savoir où est l'œuf, où est la poule. Mais, en tout cas, il y a un effet de concurrence aussi, parce que donc on a parlé de l'audience, etc. William, vous parliez des contraintes économiques. Et effectivement, ces chaînes sont des chaînes privées qui doivent, si possible, être rentables. Et il y a un effet de concurrence aussi qui fait que tout le monde va aller dans le même sens, tout le monde va essayer d'aller plus fort que l'autre. Et effectivement, ces derniers mois, BFM TV, qui voit que CNews lui grignote des parts de marché, se rapproche de son niveau d'audience, BFM TV est allé toujours plus à droite, toujours plus sur le terrain de CNews. Et là, ça a été particulièrement flagrant avec le drame de Crépol. Si bien que, Paul, vous parliez de c'est pas grave du moment qu'il y a de la gauche et de la droite, etc. Vous qu'il y a différents médias qui parlent de différents points de vue. Mais là, le problème, c'est que les deux premières chaînes d'infos de France, celles qui rassemblent le plus d'audience, avaient exactement le même discours, quasiment, oui. Assumé depuis longtemps sur CNews, un peu plus récent. Sur BFM TV, mais avec les mêmes personnes qui le portaient. Ce n'est pas que les chaînes d'infos, c'est aussi la radio, oui, heureusement. Les grandes chaînes de radio. Moi, j'écoute surtout par exemple beaucoup France Culture. Oui. Je n'ai pas entendu sur France Culture la même chose que sur BFM. Oui, mais le problème, c'est que France Culture est beaucoup moins mainstream que BFM. Oui, mais France Culture est très écoutée, et oui. France Inter aussi. J'en conviens tout à fait. Il y a plein de médias publics, indépendants, ou même pas indépendants, mais avec des journalistes qui essaient de faire leur travail. Ils aimeraient aussi faire leur travail, parce que je pense que dans ces chaînes, il y a aussi des journalistes qui aimeraient bien faire leur travail, mais qui sont un petit peu empêchés par les pesanteurs de la télé, enfin de l'outil télé, de la course à l'audience, des volontés éditoriales de leur chefferie. Mais enfin, tout ça pour dire que, du coup, cette histoire de guerre civile et de dire les gens vont s'armer, parce que ce qui s'est passé à Crépol, c'est insupportable. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir un développement de l'autodéfense, les gens vont s'armer, et guerre civile. Ça, c'est le discours qu'on a entendu toute la semaine qui précédait la manifestation de la soi-disant ultra-droite, de l'extrême droite, à Romans. Et on l'a entendu d'abord dit par des personnalités d'extrême droite, mais repris à leur compte par des présentateurs, y compris des présentateurs de BFM TV qu'on ne peut pas soupçonner d'être d'extrême droite. Et on a vu tout à l'heure l'extrait aussi de Guillaume Bigot, là, qui a franchi un palier sur CNews en disant
c'était pas seulement la menace de l'extrême droite. Alors on aimerait bien qu'elle n'arrive pas. Mais quand même, elle va arriver parce que tel que c'est parti. Voilà. Là, c'est carrément, il la scénarise. Alors, il y a combien d'arabes musulmans? Ils sont 2 millions. Nous, on est 10 millions. C'est bon, on va les écraser facile. Juste, il y a un truc qui est intéressant. Il y a des points de fracture. Et je pense que nous, on a perdu. Enfin, moi, je suis humoriste. J'aime pas dire engagé, parce que ça voudrait dire que les autres ne le sont pas, mais un artiste doit être engagé. Mais quand on compare avec les années 80, les artistes étaient un rempart. Et c'était ce fameux cordon sanitaire que les Belges nous démontrent encore récemment, quand le bourgmestre du Parti Socialiste dit « je parle pas à CNews ». Ça fait le tour de la France, parce qu'on s'est rendu compte que nous, en fait, on leur parle. Bien sûr. Et en fait, s'il y a des micros, c'est qu'il y a des bouches devant des micros pour aller parler. Et moi, je crois au phénomène de boycott qui commence à s'enclencher en France, qui n'est pas très français, mais je crois que de moins en moins nous sommes chez SFR, je crois de moins en moins il y a quelque chose qui s'est passé. Le deuxième point sur le cordon sanitaire, c'est qu'en fait, avant, on ne parlait pas à l'extrême droite. Et pour une valeur saine, c'est qu'on ne parle pas avec l'extrême droite. Il n'y a pas de débat possible avec des gens qui ont cautionné ce qu'ils cautionnent. Alors on va en parler juste après, justement. Mais là où ils ont été bons, c'est qu'ils ont réussi, eux, à créer un narratif et à glisser des mots. BFM a fait quelque chose d'incroyable. Ils ont invité l'auteur d'un livre qui s'appelle La France Orange Mécanique, qui est un livre absolument merdique, dégueulasse, qui n'a rien à envier à La France Juive. La France Juive, c'est un livre qui était sorti et qui avait inspiré Hitler, quand même. Je tiens à rappeler que la France, quand même. Tu parles de Laurent Oberton, qui était. Bien sûr. Quand j'ai vu Laurent Oberton sur BFM, le grand invité de 19h. Et quand je l'ai vu, j'ai dit. De Calvi, il n'y a aucune raison, sur la jurisprudence Zemmour, d'inviter cet auteur parce que son livre, c'est de la merde. C'est même pas quelqu'un qui est reconnu. Pour son travail. C'est une France fantasmée où il y aurait des affrontements. Ensauvagement, c'est un terme d'extrême droite. Grand remplacement, c'est un terme. Et je pense que là où la gauche a failli, c'est quand ils ont commencé à utiliser les mots d'en face. Le grand remplacement, c'est statistiquement impossible. C'est impossible, tout le monde le sait, s'il y a un pays qui va être grand remplacé, c'est les Latinos aux États-Unis. Où vraiment, les États-Unis vont plus parler espagnol dans les années qui viennent qu'anglais. Nous, en France, en fait, même si on ne le dit pas parce que l'assimilation n'est pas notre fort, mine de rien, jamais les Arabes et les Noirs et les autres minorités n'ont été autant françaises. C'est juste qu'on demande à avoir un narratif commun sur la colonisation. Sur l'égalité, bien sûr. Mais c'est surtout une reconnaissance. Je veux dire, aujourd'hui, moi, je suis atterré de savoir que Jack Lang est à la tête de l'Institut du monde arabe. Ouais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trouvé un franco maghrébin pour juste s'approprier ça. Je pourrais distiller plein de postes comme ça où on se dit, mais là, c'est pas possible, les amis, c'est plus de la raison, c'est de la provocation. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, les artistes étant lâches, pour la plupart, c'est pour ça que des personnages comme Jean-Jacques Goldman, par exemple, est même sorti des Restos du Cœur, parce que Jean-Jacques Goldman vient d'une tradition extrêmement engagée. Les chansons, on les chante au karaoké, ok. Il ne faut pas oublier que c'est le frère d'un homme que j'estime beaucoup, qui s'appelle Pierre Goldman. Et là, toute cette sphère bobo, pour parler de France Culture, pardon, mais France Culture n'est pas diffusée dans tous les bars tabac et les coiffeurs de France. Les chaînes, quand je vais chez mon coiffeur, qui est algérien, pas franco-algérien, il regarde toute la journée. Et en fait, il y a un endoctrinement où même lui finit par me dire « regarde la chaîne ». Et dans mon spectacle, moi, je parle du bandeau BFM. Et un jour, mon nom est arrivé dans ce bandeau BFM. Je crois qu'autour de cette table, il y a quelqu'un qui partage ce job avec moi. Et vraiment, on se connaît assez peu avec Daniel, mais quand le nom est dans le bandeau BFM, nos entourages nous appellent parce qu'ils sont inquiets. C'est très fort. Ils se disent, t'es dans le bandeau. C'est devenu même une expression. Ouais. Et c'est-à-dire, en fait, ce bandeau qui donne l'alpha et l'oméga de notre société, je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans le bandeau, les gens disent, oh là là. Et après, la dépêche d'après, c'est un djihadiste ou un fait divers. Et on se dit, je vais passer deux jours. Bon, je viens de le vivre récemment. Quand les deux chaînes BFM et CNews ont parlé de moi durant 48 heures, j'avais l'impression que Xavier Dupont de Ligonnès était moins important. C'est-à-dire, les gens m'appellent comme « je pense que tu es en cavale ». Pas du tout. Et je regarde pas ces chaînes parce que je veux pas les nourrir. Mais mine de rien, ces chaînes ont fini par dicter ma vie médiatique, que mine de rien, et je le dis ici parce que c'est un endroit où on peut le dire, les bobos, qui sont cette espèce d'électorat un peu volage qui peut passer de Mélenchon à François Bayrou en un claquement de doigts, ont lâché les valeurs républicaines. Les bobos, qui sont pour certains journalistes, se sont dit « faut pas que je perde mon job ». Donc, en fait, je vais écrire dans le sens du vent. Et aujourd'hui, quand on parle de journalistes, pardon, c'est une belle école Télérama, donc je ne vais pas critiquer, Le Monde fait un travail exceptionnel. Le Monde a été un journal qui est allé, qui s'est déplacé. Mediapart a fait ce travail, se sont déplacés à Romans-sur-Isère. Ils ont passé 3 jours. Oui, on peut aujourd'hui, un journaliste de BFM ou de CNews ne peut pas dire « je vais passer 3 jours à Romans-sur-Isère ».
Parce qu'ils vont lui dire, pas du tout, il y a un flash info dans 5 minutes. T'as intérêt à me trouver le dealer exceptionnel, celui où même les gens de la cité disent, celui-ci, il ne faut pas lui parler. Et ce qui est assez incroyable d'ailleurs, c'est que ce qu'a fait Pascal Praud avec son édito, moi je ne parle pas de démocratie, mais d'éditocratie, les éditorialistes sont des gens normalement qui n'ont pas pignon sur rue. Un éditorialiste n'est pas élu, il n'a pas de pouvoir. Pascal Praud, tous les matins, se réveille et donne des noms. Là, il l'a fait avec Thomas, comment il s'appelle ? Thomas Legrand. Patrick Cohen. Patrick Cohen. Alors, Patrick Cohen, qui est traité d'antisémite sur une chaîne d'info, là, c'est le multiverse, c'est-à-dire que j'ai perdu le contrôle. Et ce qui est assez intéressant, sur Rutel Krief, pardon, pour finir, comment l'embrouille a commencé ? Bon, le tweet, on peut encore parler des tweets de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas ma passion. Mais Rutel Krief, pardon de le dire ici, n'est pas une très bonne journaliste. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est, c'est ce qu'elle fait. Ça a toujours, elle a été une grande journaliste, mais de plus en plus, comme ces grands noms des années 90, ça finit par pas très bien travailler, ça devient un peu trop idéologue. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'au même moment, il y a un autre juif qui s'appelle Patrick Cohen, et qui, disons-le, fait preuve quand même d'un bon sens, parce que la chronique de Patrick Cohen s'avère vraie quelques jours après. Cet homme, qui est un très bon journaliste, et qu'en plus j'ai débattu contre lui, j'ai pas toujours été d'accord avec Patrick Cohen, il fait un travail journalistique, où il dit on s'est emballé, tout ça. Et il finit, et ce qui est fou... C'est vrai que l'enquête aujourd'hui, ce qui a été révélé par Le Parisien, c'est à peu près... Mais surtout Patrick Cohen... L'édito de Patrick Cohen. Mais fait ce que les journalistes doivent faire, c'est-à-dire... Ils doivent ramener les faits. Et même si ça déplaît à l'extrême droite ou à n'importe qui, on doit ramener les faits. Et objectivement, je le vois tous moralement autant que nous sommes, les amis, nous sommes au début décembre. Je ne sais pas si on va tenir jusqu'à fin juin. C'est-à-dire qu'avant, même, je l'ai senti, avant, il n'y avait pas de polémique dans des périodes très précises de la France. Par exemple, au mois d'août, on se disait, on pose tous les armes, on est quand même, c'est le mois d'août. Là, dorénavant, quand une polémique te suit au mois d'août, que tu es là, que tu vois les mecs, en plein mois d'août, avoir accès à Twitter, et, pardon de dire ça, je ne suis pas d'accord avec ce qui avait été dit tout à l'heure pour conclure, sur le fait de dire, ce n'est pas le spectacle. Mélenchon, quand il fait un débat avec Zemmour, ça sert qui ? Ça sert Zemmour. Je vais vous dire quelque chose, moi, en face de moi, moi j'ai créé un monstre, il s'appelle Jean Messiha. J'ai été reçu chez Cyril Hanouna, je l'ai traité de chameau, ça a fait le buzz, c'était exceptionnel. D'accord ? Et dans la rue, il y a une part d'ego quand on fait un débat, bravo et tout, tu l'as séché. Quand il a levé la cagnotte pour la famille du policier qui a tué Naël, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré de honte parce que je me suis dit, c'est toi qui l'as créé. Si tu donnais pas à cet homme-là l'opportunité de se faire connaître... Il n'aurait pas levé 1 600 000 euros. Et nous, il est de notre devoir aujourd'hui de faire un truc simple. C'est que l'extrême droite doit être remise là où elle doit être. C'est-à-dire, objectivement, et c'est ce que je vois avec Marine Le Pen, qui a trouvé une solution, c'est celle dont on parle le plus et c'est celle qui parle le moins. Marine Le Pen fait très peu de sorties médiatiques. Ouais, ça prouve bien que si vous interdisez de parole un certain nombre de personnes dont vous avez donné les noms, bah, ils seront toujours aussi populaires. En fait, je trouve que le désaccord que j'ai avec plusieurs ce soir, c'est que je pense que vous surestimez le pouvoir des médias aujourd'hui. Je ne dis pas que les chaînes d'info n'ont pas de pouvoir, mais observez quand même les dynamiques de société depuis des décennies. La montée du Front National, par exemple, avec Jean-Marie Le Pen, elle ne date pas des chaînes d'information. Elle est beaucoup plus ancienne. La guerre civile, entre autres. Mais il avait déjà commencé avant. Et le pays avait commencé. Regardez ce qui se passe dans toute l'Europe. Regardez ce qui se passe avec les démocrates de Suède. Regardez ce qui se passe avec Mme Meloni en Italie. Regardez ce qui se passe aux Pays-Bas il y a quelques jours. Donc il y a... ce sont des choix du peuple, qu'on le veuille ou non. Moi, je peux avoir les désaccords que je peux avoir avec tous ces protagonistes, mais il y a des choix du peuple. Quand même. Et si vous voulez, il y a une évolution de l'humanité. On parlait tout à l'heure de la guerre civile. On peut parler des concepts de guerre civile, de déclin. Ce sont des concepts qui sont abordés dès le début du XXe siècle. Il y a Nietzsche, il y a Oswald Spengler. Donc c'est une vieille histoire. Mais c'était beaucoup plus criminalisé avant, sur Paul. Nietzsche et Spengler n'étaient pas du tout criminalisés. Les idées de Jean-Marie Le Pen étaient beaucoup moins acceptées par les médias. Il était beaucoup plus criminalisé. Ça n'a pas marché. Non, mais... Ça ne marche pas de dire « mais parce que vous êtes d'extrême droite, je ne vous écoute pas ». Du moment que vous avez un certain nombre de Français, je ne sais plus combien fait Marine Le Pen, 42% je crois au second tour, c'est énorme. Quand vous avez beaucoup de Français, moi j'habite un petit village, tous les petits villages dans lesquels je vais, les gens avec lesquels je discute, etc., et ce n'est pas des odieux fascistes d'extrême droite. Pour autant, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont voté pour Marine Le Pen. Bon, donc, qu'on soit de gauche ou qu'on soit d'un autre parti, il faut se poser la question.
Pourquoi ? Et il y a un certain nombre de personnes, notamment à gauche, je pense par exemple à François Ruffin ou quelques autres, ou des parlementaires sur le terrain, etc., certains de vos collègues d'ailleurs, qui se sont dit, bon, comment est-ce qu'on va faire pour reconquérir cet électorat perdu ? Et ça me paraît être plus intelligent comme démarche plutôt que de criminaliser les gens qu'ils vont se choisir comme représentants ou de judiciariser un certain nombre d'idées. Ce que disait Zemmour, là, je crois que c'était chez Apolline de Malherbe, je n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, évidemment. Mais par contre, je n'ai pas envie qu'il ait un procès. De la même manière, j'ai été contre la dissolution des soulèvements de la Terre. J'ai horreur, si vous voulez, du délit d'opinion. Parce qu'il parle pas de vous. C'est pas une question, non, mais c'est j'ai horreur du délit d'opinion. Et quand je me sens moi-même, par exemple, offensé par des paroles tenues à la télévision ou ailleurs, quels que soient les protagonistes qui vont tenir ces paroles, je ne donne pas un coup de fil à l'ARCOM en disant expulsez-moi ça. Je dis bah, je vais aller affronter cette personne-là parce que ce qu'elle dit me déplaît. Vous êtes pour une liberté d'expression un peu à l'américaine. Je suis assez voltairien, ouais. Sauf si, par exemple, vous appelez au meurtre un type qui vient à la télé et qui dit bon, il faut mitrailler tous les musulmans, je vais dire mettez-le au trou. Bon, on n'est pas loin avec Zemmour. Non, mais là, c'est pas de liberté d'expression, c'est de la liberté d'agression. En fait, voilà. Ils se permettent. Là, non, mais, je lui donnerai mais pas la pardon, liberté. Objectivement, moi, le service public, c'est moi qui le paye. Et je suis à un niveau d'impôt plutôt plaisant. Je ne veux pas que mon oseille permette à des hommes politiques d'extrême droite venir m'insulter avec mon argent. Et le service public, dans son espèce de gentrification de nos sujets, a décidé aujourd'hui de clairement faire un choix éditorial qui est sans précédent. Vous imaginez que le service public entre Radio France et France Télé, ce que ça représente, et qui est aussi peu de ressemblance avec la société de tous les jours. Mmh. Et aujourd'hui, on a perdu ce combat-là. Et pardon, juste pour finir, et je ne vais pas me faire d'amis, je ne vais pas travailler pendant quelques temps, la réponse de l'extrême droite, je ne suis pas d'accord avec vous, ce que disait Samuel est tout à fait vrai. Pourquoi l'extrême droite est triomphante comme ça ? C'est parce que depuis les années 80 et les années Canal+, cette espèce de dégueulis de la diversité, à outrance d'ailleurs, où tous les Arabes et les Noirs étaient soit footballeurs, soit rappeurs, soit stand-uppers, a fini par créer des clichés qui sont très difficiles aujourd'hui, il n'y a qu'à voir. Si un Noir ou un Arabe dit à table « Bonjour, je suis français et médecin », les gens vont lui dire « Mais incroyable, comment t'as fait ?»« Bah, j'ai fait médecine, enfin c'est assez simple. » Et ce que je veux dire par là, c'est que les années de boboïsation de nos esprits qui finissent par être préjudiciables, aujourd'hui finissent par nous. On n'a pas accès à notre narratif. Les Arabes et les Noirs doivent déléguer à un homme politique. Souvent, pour la plupart du temps, il n'est pas de la bonne couleur. Et deuxièmement, je ne suis pas dans le communautarisme américain que vous dites, mais les conséquences que ça a aujourd'hui, c'est que beaucoup partent. Beaucoup de gens aujourd'hui qui sont français d'origine étrangère préfèrent se tourner vers leur pays d'origine plutôt que d'investir ou en d'autres France. Pays même. Parce qu'ils disent cette caisse de résonance médiatique, elle finit par rendre fou. C'est-à-dire, c'est quand à 9h vous avez déposé vos enfants et que déjà dès 9h on vous reproche quelque chose, parce que les fachos sont loin d'être bêtes, c'est qu'ils préfèrent aller vers le blasphème que d'aller vers la condamnation raciste. C'est pour ça qu'ils préfèrent parler d'islam que de parler de couleur de peau. Mais aujourd'hui, voir Bardella dans une émission comme Quotidien, qui était censée être de gauche, être, j'allais dire, mainstreamé comme un espèce de beau gosse élégant, alors que c'est juste, il est là, Bardella, disons-le, parce qu'il est avec une Le Pen, parce que c'est une concession familiale, le Front National. Et en fait, il est là, et le fait de le normaliser, et c'est pour ça que la question, je vous la pose, quand en 2027, ils vont passer l'extrême droite, contrairement aux autres pays que vous parlez, dont vous parlez en Europe, je ne suis pas sûr que moi, ils vont rendre tout de suite le pouvoir. Hein. Je pense que l'extrême droite, s'il passe, ça va déclencher quelque chose dans ce pays. Où, je ne pense pas. Je vous redonne la parole juste après. Stéphano, pour revenir à la discussion qu'on avait, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien avec les manifestations clairement fascistes auxquelles on a eu lieu dans les rues de Romans-sur-Isère, qui sont parties jusqu'à la Monnaie et qui voulaient factuellement en découdre, et avec les discours qui ont pu être tenus dans les médias ? Oui, c'est des niveaux différents, parce que je pense que si on parle de ce type de manifestation, c'est quelques centaines de personnes. C'est scénario de guerre civile, etc., c'est du roman, du mauvais roman, quoi. Je pense pas. Voilà, ça reste quelques centaines de personnes qui probablement se sont autorisées à défiler de cette façon. Oui, mais c'est des gens qui venaient de toute la France. Voilà, mais c'est pas des dizaines de milliers de personnes. Ah non, bien sûr. Pour revenir, par contre, au discours sur les pouvoirs des médias, je suis d'accord avec le fait que les barrages contre l'extrême droite qui a existé en France, qui existait de façon très forte, je rappelle l'élection de 2001, je ne sais plus si Chirac... Je me rappelle... Chirac n'avait même pas voulu débattre. Jean-Marie Le Pen, au deuxième tour, il avait fait un point de moins qu'au premier. Il avait baissé entre le premier et le deuxième tour. Oui, c'était 17 ou 18, je crois. Il était passé de 18 ou de 19 à 18, je ne me rappelle plus. C'est dire la force du barrage. Il a fait moins de voix qu'au premier tour. Ce barrage a fonctionné jusqu'à l'année dernière, avec la deuxième élection de Macron. Mais clairement,
c'est un barrage qui craque, qui s'affaiblit, et je ne pense pas que ce soit à cause des médias. Je ne pense pas que la responsabilité des médias... Alors vous pensez que ça vient d'où, par exemple ? Je pense que barrage dans les médias s'affaiblit aussi, mais comme aspect d'un mouvement en plus général. Alors d'où ça vient, c'est un peu long, mais voilà, disons qu'il y a des mouvements politiques de fond qui font que la perspective d'un gouvernement d'extrême droite dans le paysage politique actuel est considérée par une partie importante de la société française comme une perspective après tout pas si déraisonnable. Et qui n'a jamais été souvent, qui n'a jamais été essayé, c'est souvent l'argument qui revient quand essayé, on demande. Disons que c'est enfin, pas récemment, quoi. Disons, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que les blocs au pouvoir, ce que nous on appelle les blocs bourgeois, clairement, il a du mal à tenir la route. Il y a aussi la perspective très incertaine du fait que Macron ne pourra pas être candidat, on ne sait même pas qui sera son successeur. Mmh. Il y en aura plusieurs. Et voilà, donc pour une partie de la société française qui ne veut pas des ruptures majeures par rapport, qui cherche de la continuité, Marine Le Pen fait tout pour s'accréditer comme garante de la continuité, parce qu'il y a cet aspect-là aussi dans l'extrême droite, c'est ce qu'on appelle la normalisation, c'est en effet, c'est joué par les médias. Mais c'est aussi une stratégie politique que Marine Le Pen joue différemment de ce que faisait son père. Et donc, il y a un mouvement de fond, je pense, qu'on voit dans les médias. Les médias, ils ne sont pas étrangers à ça, mais ils ne sont pas la cause de ce mouvement. C'est le fait que des gens d'extrême droite puissent être invités sur les plateaux, avoir des temps de parole, etc., inimaginable il y a 30 ans, c'est un signe que les barrages craquent. Oui. Ah. Mais je ne pense pas que ce soit la cause. Ils y participent dans un mouvement social très, très généralisé. Oui, je pense que c'est plusieurs points, justement, qui normalisent l'extrême droite. Et par contre, sur la diabolisation, je ne pense pas que ça marcherait. Si les médias se remettaient à diaboliser... Oui, trop tard. Si on pense à un mouvement de fond dans lequel les médias sont entraînés, ils sont protagonistes, mais ils sont aussi entraînés dans ces mouvements, on ne peut pas attendre qu'ils se mettent à contre-courant total par rapport à cela. Et je pense que ça n'aurait pas un impact énorme. D'ailleurs, la diabolisation, si on regarde... une autre diabolisation qui est en cours. Celle de Mélenchon. Oui, c'est pour ça qu'on va pouvoir voir dans les futures élections si ça marche sur la LFI. Alors il faut avoir un peu des moments, parce qu'effectivement, l'intensité qu'on a maintenant, c'est beaucoup plus forte que celle qu'on a connue. Mais moi, je me rappelle, 2017, c'était Venezuela. 2022, c'était l'ami de Poutine et des dictateurs. Oui. Voilà, c'est pas complètement nouveau. Est-ce que ça a eu un énorme impact sur les résultats électoraux ? Je trouve que c'est un petit peu plus systémique, quand même. Les points, par contre, sur lesquels les médias ont un vrai pouvoir, j'ai déjà fait allusion à ça tout à l'heure, tu le disais, c'est, et sur lesquels, ce que tu appelles les bobos, ont cédé, c'est les langages. Et ça, c'est vraiment un truc essentiel. Quand on commence à parler... Le vocabulaire de l'extrême droite, l'ensauvagement, etc. Ouais. Et voilà, comme si c'était la façon naturelle de voir les choses, la façon naturelle de parler des choses, on valide cette vision du monde-là, même éventuellement de façon inconsciente. Et effectivement, quand je dis que le barrage craque, une partie essentielle pour moi de ces faits, c'est qu'une partie de ce qu'on appelait la gauche, je ne parle pas de la France insoumise qui fait résistance à cela. Okay, mais il faut voir que la moitié de l'électorat Hollande a voté Macron en 2017. Oui. Voilà, et ses représentants politiques, ses représentants de Macron, qui parlent tranquillement des maîtres, de la population des banlieues qui vit des trafics, etc. C'est le langage de l'extrême droite, complètement. Et qui est passé. Alors, pour partie de façon consciente, je pense, mais pour partie, ça a été intégré comme voilà, c'est la société française est articulée comme ça. Et c'est un vrai point d'entrée pour l'extrême droite. Les politiques du centre aussi, les politiques du gouvernement actuel, sur les questions sécuritaires, se rapprochent de plus en plus de ce que propose Marine Le Pen. Même les dépassent, parce que Le Pen est trop mort sur l'islam. Oui, sur l'islam. William, je vais revenir sur...
une question bien précise. Est-ce que vous pensez, je vous ai déjà posé la question tout à l'heure, mais je vous la repose, est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez à cette vision qu'on nous a proposée dans les médias de ces deux France qui s'opposent? Est-ce qu'aujourd'hui, on a deux camps en France? Non, moi je ne pense pas. Je pense que les gens qui pensent ça se trompent. C'est comme les théories du choc de civilisation avec ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est-à-dire que c'est une vision caricaturale de la société. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux Amériques qui s'opposent entre le Parti démocrate et le Parti républicain? Même ça, si par cas on rentrait dans les détails, on verrait qu'il y a pas, il y a des partis républicains, il y a des partis démocrates, mais il n'y a pas une Amérique démocrate et une Amérique républicaine. Et en France, au vu de la sociologie française, au vu de la répartition et de la faible mainmise des dirigeants politiques sur la société, sur leur faible capacité à embarquer les gens, moi je ne crois pas qu'ils soient en capacité d'embarquer beaucoup de monde. Lorsque vous avez ce qu'on appelle une RICS ou des manifestations d'ultra-droite, ça ne rassemble même pas 500 000 personnes. Donc ça veut dire que même si par cas Marine Le Pen appelait à des grandes émeutes en France, elle ne pourra même pas rassembler 1 500 personnes, 2 000 personnes, etc. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui peuvent embarquer un ensemble de monde. Ça c'est le premier point que je pose. Alors, pour vous relancer sur un truc que vous avez dit tout à l'heure, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il y a ce parallèle qui est fait justement dans les réseaux sociaux avec cette guerre civile et qui est repris dans les médias si les médias suivent justement les tendances de Damien Rieu, etc. Moi je pense que des gens ont intérêt à imposer une guerre civile en France. Tout simplement parce que ça fera leur beurre électoral. Qui sont ces gens selon vous? Moi je pense que Zemmour notamment a intérêt à l'imposer parce que c'est la seule chance qu'il pourrait pour être élu comme Donald Trump l'avait fait en 2016, tout simplement. C'est accélérationniste. C'est-à-dire que si par cas, au vu de ses thèmes, au vu de son positionnement politique et sa faible cote de popularité, ou par cas, je crois qu'il y a 75% des Français qui ne peuvent pas le voir, bah, de toute façon, il n'a aucune chance d'être élu, sauf à imposer un certain nombre de thèmes dans l'agenda médiatique. Et là où je pense que c'est là où il a un pouvoir qui est important, et c'est là où les médias gardent un pouvoir important, c'est le fait d'imposer certains thèmes dans le débat politique. C'est-à-dire que Yacine Bellatar disait que la préoccupation numéro un des Français, et on le rend compte au quotidien, c'est l'inflation, et c'est le fait de dire comment on va faire pour acheter des cadeaux de Noël à nos gamins à la fin du mois. Pourtant, il y a très peu de thèmes qui concernent dans le débat public les questions de pouvoir d'achat, les questions de salaire et les questions d'un ensemble de choix sur le modèle économique, sur le modèle social, est-ce qu'il va dans le bon sens, est-ce qu'il ne va pas dans le bon sens, etc. C'est ça le point essentiel. Et pour revenir sur votre sujet, je pense que les médias ont intérêt à imposer ce type de thème parce qu'on le sait tous. Lorsque, par exemple, il y a un conflit gilet jaune ou qu'ils sont à l'Arc de Triomphe, les audiences explosent. Lorsqu'il y a un conflit au Moyen-Orient, les audiences explosent. Lorsqu'il y a Prigogine. C'est une histoire d'argent et d'audience. C'est une question, moi je pense que c'est une question d'audience principale parce qu'ils suivent une audience. Quand Prigogine monte avec ses chars à Moscou, et bah, ils se disent jackpot, et bah, on va faire plein d'audiences. Lorsqu'il y a une crise, etc., bah, les gens se disent bah, on veut avoir une information, donc on va sur une chaîne d'info pour savoir ce qui va se passer. William, juste une question, parce que je vous vois, je regarde pas CNews, à part quand je m'assois sur ma télécommande, mais je vous connaissais pas. Si je vous voyais par le paradigme de CNews, je pense que je vous parlerai pas, mais vous avez un propos sensé et tout. Comment vous faites pour aller sur un plateau où vous savez pertinemment que ce que vous dites... Discuter avec des caricatures, ouais. Ouais, enfin, c'est comme si vous parliez avec South Park. Le sketch de mon collègue Malik Bentala, qui n'est pas le plus engagé d'entre nous, mais qui est un garçon très talentueux, je crois qu'il y a un Français sur deux qui l'a vu. Ça y est, on a dépassé, on est à 37 millions. Et vraiment, c'est un garçon brillant. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il a goûté à ce côté mainstream qu'il a sorti ce sketch. Il n'y a rien qui est dû au hasard. Si ce sketch a pris... C'est que quelque part, il est vrai. Bien sûr. Et quand je regarde le lendemain Pascal Praud, je n'arrive plus à différencier la caricature de la réalité. Mais juste, j'ai une question là-dessus. Ce que vous dites, je pense qu'il y a du respect déjà entre nous, ce qui n'est pas le cas de ces plateaux-là. Je pense qu'il n'y a pas de respect à la base. Il y a une espèce de condescendance à l'égard de certains sujets. Comment vous faites pour ne pas vous dire, je prends tout simplement, comme diraient nos amis corses, le maquis, et ce que je vais le dire ailleurs, parce que moi, je connais même des gens qui vont dans une émission qui s'appelle Morandini, et je crois qu'il n'était pas dans la bonne page du Parisien, parce qu'il était en page 2 pour un fait divers grave, quoi, qui est de la pédophilie. Et quand je vois ces chroniqueurs venir me parler de liberté d'expression, je dis alors, là, on arrête tout. C'est-à-dire, vraiment, on arrête le fait... comment vous faites pour y aller? C'est ça, ma question. Moi, je pense est-ce que c'est pareil que les audiences, c'est pour une raison économique ou pas du tout? Non, moi je gagne pas d'argent, donc moi je suis pas payé. En plus, je suis pas payé. Sur CNews, non? Non, sur aucune chaîne, je suis payé. Moi, je viens gratuitement pour défendre des idées. Ah, donc c'est. Non, j'ai touché 1 million d'euros pour venir aux médias. Donc c'est. Mais si vous voulez me payer, pourquoi c'est pas? Non, mais c'est encore plus intéressant. Non, moi je considère par exemple que
pour imposer et pour en fait faire valoir des idées, il faut parler sur toutes les chaînes. C'est-à-dire que toutes les chaînes qui m'inviteraient, hormis si par cas elles ont des défauts, par exemple en guerre contre la France, soutient des propos inacceptables, etc., j'irai, tout simplement parce qu'en fait c'est le seul moyen de pouvoir défendre des convictions. Ça c'est le premier élément. Le deuxième point, c'est que par rapport au débat qu'on avait tout à l'heure, c'est par exemple, est-ce qu'il faut se dire qu'il faut accepter de débattre avec des gens ou pas ? Moi je pense que c'est en débattant, en allant sur les endroits du terrain de l'adversaire, entre guillemets, qu'on peut convaincre les gens d'aller dans un sens ou dans un autre. Si par cas vous dites on ostracise, on ostracise, moi je prends juste un élément. Jean-Marie Le Pen faisait, je crois, 15% à l'élection présidentielle de 88, et maintenant, vraisemblablement, Marine Le Pen est favorite de la prochaine élection présidentielle. Donc plus on a ostracisé, plus on a le fait de pousser les gens dans un sens, moi je pense que ça n'a pas marché. J'ajouterais quand même un élément. Elle a été beaucoup plus médiatisée qu'ostracisée sur les 10-15 dernières années, c'est pas oui, vraiment rien. Oui, vous avez et tout à l'heure, on a parlé de l'ordre des vérités, même si c'était à une autre époque, il passe de quasiment 1 ou 2% à 10% aux élections européennes, et il a même des élus Front National. Au Parlement européen. Le débat essentiel, moi, je pense que pose Yacine Bellatar, je pense que c'est ça la question essentielle, c'est que moi, je me rappelle quand j'ai commencé à regarder mes premiers débats politiques, c'était aux alentours de 2010-2011, c'était les émissions de TADI, Ce soir ou jamais. Okay. Vous avez des émissions avec Marcel Gauchet, avec Emmanuel Todd, etc. Vous avez des grands débats politiques pendant 2-3 heures. Actuellement, l'évolution du modèle des médias fait en sorte que vous pouvez parler maximum 30 secondes, oui, une minute, parce que le taux d'attention a baissé. Moi, je suis tombé sur une étude dernièrement, parce que dans le cadre d'un think tank, on bosse beaucoup sur les taux d'attention. À l'époque de l'avènement de YouTube, le taux d'attention moyen des téléspectateurs était d'une minute. Mmh. Avec l'apparition d'Instagram et de ce qu'on appelle des stories et des réels, c'est passé à 30 secondes. Avec TikTok, vous êtes à 10 secondes. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont le temps moyen d'attention d'un poisson rouge actuellement. Donc c'est pour ça que vous faites en sorte d'arriver à un niveau qui fait que les chaînes d'information, moi je pense, n'imposent pas une chose, mais se sont calquées sur l'ensemble des téléspectateurs. Alors vous pensez, Daniel Obono, que si Pascal Pro avait plus de temps dans son émission, est-ce qu'il serait moins raciste ? Enfin, est-ce qu'il serait moins caricaturé ? Il serait musulman. Non, je ne dis pas, c'est pas juste une question de temps, mais l'économie générale de comment fonctionnent matériellement en fait les médias, avec le fait qu'il y a moins de gens sur le terrain, il y a moins d'enquêtes de long cours où on prend le temps, etc., etc., fait que en fait c'est du mauvais travail en fait. C'est pas, enfin voilà. Après moi je porte pas au nu le journalisme avec l'idée que ce serait le pinacle du quatrième pouvoir, blablabla. Moi, je crois que tout est rapport de force et que c'est, comme dirait l'autre, les idées dominantes sont les idées de la classe dominante et que les médias sont un des espaces où ça s'exprime. En vérité, un peu ce que vous disiez, en gros, les médias, quand on regarde qui produit, qui compose les plateaux, c'est pas juste les bourgeois, mais la classe dirigeante qui parle à la classe dirigeante, en vrai. Et le reste du monde regarde, voilà. Et cette scène-là, elle est là pour imposer voilà, le cadre de pensée qui est jugé comme normal, convenable, etc. Et voilà, les barbiers, ils écoutent en fond sonore, mais en fait, c'est la classe dirigeante qui parle entre elles et qui se convainc. Mais Est-ce que vous iriez gratuitement comme... si vous n'étiez pas femme politique, est-ce que vous iriez gratuitement pour débattre avec... Si je n'étais pas femme politique, Daniel Obono, femme noire, insoumise, etc., je ne serais pas dans les médias, en vérité. Enfin, je veux dire... Vous n'auriez pas le choix. Moi, j'ai une histoire à raconter quand même. Quand j'ai fait mes premiers débats sur LCI en 2018-2019, je passais sur LCI le samedi après-midi et le dimanche matin, je travaillais dans une station de service comme caissier avec mon père. Donc, c'est-à-dire que c'est possible. C'était une belle histoire. Je vais finir là-dessus. Mais c'est pour ça que je redis, matériellement, pour moi, voilà, les médias sont un espace de production et de reproduction des idées dominantes. C'est fait pour ça. Les mêmes gens, regardez la sociologie des médias. Qui produit, et c'est important de qui produit, qui est derrière dans les régies, etc., qui dominent. Donc ce sont une classe sociale particulière, y compris très genrée, y compris très racisée dans le sens bourgeois, dominant, etc. Dire, hein. Voilà, donc ces gens se parlent entre eux et que de temps en temps, quand il y a une parole un peu différente, quand il y a l'exception qui arrive à pousser la porte, etc., elle est acceptée parce que ça ne remet pas en cause l'équilibre général. Mais voilà, par rapport à ce qui est dit, y compris par rapport au moment politique, moi, je pense que c'est pas dans les médias en fait que le barrage s'est écroulé. C'est dans le champ politique de droite notamment,
et une partie de l'autre champ où, en fait, c'est pas la normalisation de l'extrême droite, c'est l'extrême droitisation, en fait, d'une bonne partie du champ politique pour qui, aujourd'hui, ce que dit l'extrême droite ou propose l'extrême droite apparaît comme le moyen de gouverner la société, oui, la solution, de répondre, etc. Ouais. Donc, on part de ça, en fait. C'est pas juste un... Et que, du coup, ça se traduit dans le champ politique et le fait de dire qu'aujourd'hui, dans ce pays, il y a effectivement des classes dirigeantes, des dirigeants politiques, économiques, etc., qui pensent que, pour gouverner ce pays, Marine Le Pen et ce qu'elle dit... effectivement, marche et une solution. Donc, c'est pas juste un attrait de faire de l'audience. Je sais même pas à quel point toutes ces chaînes gagnent des milliards. Je sais pas si. Voilà, c'est pas une question d'argent. Donc, c'est pas juste la question de l'audimat pour gagner de l'argent ou pour avoir de la pub. C'est vraiment un outil d'influence et de production de la norme dominante. Et de dire les mots qui sont utilisés, le cadrage et dans quoi les gens doivent penser. Donc, ce qui s'est passé, voilà, c'est ce mouvement-là, dans cette sphère-là, politique, et pas juste politique, mais voilà, les acteurs économiques, des gens comme Bolloré, pourquoi il investit à fond perdu dans tout ça, voilà, c'est pour mettre en œuvre un projet. Justement, Bolloré, quand il a été entendu, parce qu'il y a eu une commission autour de lui, il a été entendu au Sénat ou au Parlement, je ne sais plus, il avait justifié en disant que c'était uniquement économique. Et puis la personne en face lui a présenté les comptes et il montrait qu'ils étaient ultra déficitaires. C'est 30 ou 35 millions de pertes sur une centaine de millions l'année dernière pour le groupe C8 Canal+. Juste après Yacine, j'aimerais justement rebondir à ce qu'a dit Daniel. Pourquoi est-ce que des gens qui vont avoir l'idéologie de Daniel et qui, le lendemain, travaillent peut-être dans une station d'essence, pourquoi est-ce que ces gens-là ne sont pas invités sur les plateaux de Pascal Praud ? Et vous parliez de diversité idéologique, c'est vrai qu'on l'a... Mais c'est pas que chez Pascal Praud, c'est vrai que chez Pascal Praud, c'est très visible, mais c'est un peu partout, sur tous les médias et tous les plateaux télé. – Oui, alors après, moi je pense qu'il y a de la diversité d'opinion et du pluralisme sur beaucoup de plateaux que j'ai faits. Je veux parler de plateaux du service public, je suis régulièrement sur Arte, par exemple, pour ne pas le citer, et il y a de la pluralité d'opinion. Je suis régulièrement chez Pascal Praud, il y a de la pluralité d'opinion. Moi je suis de gauche, je me suis écharpé un paquet de fois avec Pascal Praud sur beaucoup de sujets, sur les lois, sur la question de la loi sécurité globale, sur la question récemment du QR code aux Jeux Olympiques. Moi je suis totalement contre les mesures de surveillance de population générale. Donc je crois que… Pour vous, il y a une diversité chez Pascal Praud. Il y a du pluralisme. Il y a des orientations politiques, il y a des personnes qui ont des biais idéologiques, et ils ont bien raison, c'est le leur, c'est pas forcément le mien, mais c'est le leur, et il y a du pluralisme. Ensuite, je voulais vraiment réagir, je pense que c'est très important à ce que vous disiez, sur le fait que, effectivement, c'est politique, et le sujet de la politique, c'est il y a un paramètre qu'on n'a pas étudié dans notre discussion ce soir, et qui, je pense, peut alimenter notre réflexion sur la montée du nationalisme ou de la droite radicale en Europe, c'est aussi l'évolution de l'Europe elle-même, c'est-à-dire comment des paramètres économiques, par exemple, la paupérisation. Pourquoi est-ce que toutes les personnes qui s'appauvrissent vont voter plutôt aujourd'hui ? Il y a des nuances, mais pourquoi est-ce que de plus en plus de personnes qui ont des revenus faibles votent pour le Rassemblement national et pas nécessairement pour la France insoumise ? Ça, c'est un sujet qui doit nous poser question intellectuellement, de se dire comment est-ce qu'on fait pour reprendre ces gens-là ? Et j'en reviens à ma discussion tout à l'heure sur la France périphérique et sur François Ruffin. C'est que je pense que là, il y a un vrai sujet sur comment est-ce qu'on fait pour capter cet électorat-là et pourquoi est-ce que certains partis de gauche en Europe y parviennent et pourquoi est-ce qu'en France, on a plus de difficultés. Ça, c'est par exemple un paramètre. Ensuite, sur les paramètres de l'insécurité, la sécurité n'est pas qu'un sentiment. Il y a un certain nombre de personnes qui déjà subissent l'insécurité du Danemark, de partout. Le Danemark, c'est vrai, le Danemark, c'est intéressant. Je le voyais, mais je le vois gros comme il y a plein de paramètres qu'on peut constater, je pense, froidement, des paramètres économiques, des paramètres sociaux. Vous aviez une lecture des médias qui s'apparente à une lecture plutôt marxiste, et c'est votre droit, et je le respecte, mais effectivement, tout à fait. Mais toutes ces résonances-là, aujourd'hui, si vous prenez, par exemple, la fin du 19e siècle, c'est le narratif marxiste, c'est Jules Guest qui après a été effacé au Parti socialiste et ça a été repris par Jaurès. C'est toute cette histoire-là qui a fait que la gauche s'est nourrie des crises, des malheurs de la révolution industrielle, de tous ces laissés-pour-compte, ces Zola, ces Victor Hugo. Tout ça, ça a été capté par la gauche. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, les défis contemporains, défis d'insécurité mondiale, défis géopolitiques, ce qui est en train de se passer dans le conflit israélo-palestinien, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe partout dans le monde. Pourquoi est-ce que. Ça, c'est un fait, les conflits géopolitiques. Non, c'est pas un fait. Les conflits
géopolitique, c'est un fait. Non, mais pardon. Je vous en prie. Alors, rapidement, tout ça soulève un certain nombre d'inquiétudes dans les sociétés occidentales. Je crois qu'il y a un grand mal-être occidental. Et même, je pense que ça remonte à la révolution industrielle, pour tout vous dire. Et que c'est une vieille histoire, le mal-être occidental. Un certain nombre d'écrivains le disaient déjà à la fin du 19e siècle. Et que tout ça doit être pensé par la gauche avec un bon logiciel, avec un logiciel humaniste, avec un logiciel soucieux des droits de l'homme et d'état de droit. Tout ça, moi, j'ai aucun problème, c'est ce que je pense. Mais que ça doit donner lieu à un débat et à une vraie réflexion de fond, pas de forme, pas de boycott, de « je veux pas parler un tel, je boucle tel micro », mais de dire « allez, on se retrousse les manches et on va gagner la bataille culturelle pour, eh bien, reprendre le peuple de France, le peuple européen, et se battre intellectuellement ». Je pense que c'est ça la clé de voûte, à mon avis, de la lutte contre les nationalismes. C'est pas de les boycotter. Les nationalismes, pardon, vous regardez la France d'aujourd'hui avec des lectures du 19e siècle. J'aime bien l'histoire. Et oui, mais elle ne se répète pas, parce que vous avez devant vous, je pense, autour de cette table, des gens dont les parents n'avaient pas prévu que leurs enfants naîtraient et peut-être se revendiqueraient français en quelques décennies. Oui, mais c'est une autre histoire. Au 19e, je crois qu'ils aient... vous partagez le Dieu commun. Le fait qu'aujourd'hui... Non, mais en tout cas, la question aujourd'hui d'avoir islamisé une partie des Français sans leur poser la question de savoir si ça, ils le voulaient ou pas. Moi, j'ai été appelé jeune de banlieue. Après, j'ai été appelé banlieusard. Alors, moi, j'ai été appelé islamiste. Voilà. Et donc, à un moment, mon évolution n'est pas très bonne, selon mon psy. Mais là où je voulais marquer mon désaccord... Moi, je vous appelle citoyen français, enfin, monsieur, quoi. Mais bonjour. C'est pour ça que vous allez passer le massage à Pascal Praud, sinon il y a William. Mais je vais vous donner un exemple plus particulier. La fierté de la France se fait par son immigration. Coluche est un Italien. Jean-Jacques Goldman, on en a parlé, ce sont des Juifs lyonnais résistants qui se battent pour ce pays. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe en France, et ce que disait Daniel Obono est vrai, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, parce que nous, on le ressent, nous ne sommes pas invités pour les bonnes raisons. Donc, à partir du moment où on arrive dans une pièce de théâtre, et je vais citer Guy Debord qui parlait de la société du spectacle, dorénavant, moi, j'inverserais, c'est plus le spectacle de la société. C'est-à-dire que c'est devenu une sorte d'entertainment permanent. Trump a été le premier enclencheur, c'est-à-dire... Et Zemmour a quand même une similitude avec lui, c'est qu'ils viennent de la télé. Donc, ils ont ces codes où, à un moment, ils peuvent casser une semaine aux Français, parce qu'une polémique, ça part une semaine. Je connais bien Jean-Jacques Bourdin, je connais un peu moins Daniel Obono. Ce qui est sûr, c'est que Jean-Jacques Bourdin, en vieux lion, en convoquant Daniel Obono le matin, je ne suis pas sûr que Daniel Obono soit antisémite. Il faudrait une autre émission, mais je ne pense pas qu'elle le soit. Mais quand la machine médiatique se roule au compresseur et sans se connaître, on vit ça comme un rouleau compresseur. Non, ça roule au compresseur. Ça nous roule dessus. C'est-à-dire que, je ne sais pas Daniel, mais moi je porte les stigmates physiques. Quand je suis au milieu d'une polémique, les gens disent « Ah, ils aiment ça ». Pas du tout. C'est-à-dire que quand ça commence, c'est un vrai rouleau compresseur. Moi, c'est tout le monde parlait de moi. Là où c'est impressionnant, vous parlez de la gauche. La gauche est morte. La gauche du PS est morte. On ne va pas passer par quatre chemins. Quand Manuel Valls, sur BFM, finit par être d'accord avec Robert Ménard, c'est la fin. C'est-à-dire qu'une partie de la gauche, aujourd'hui, vous dites « Mais pourquoi ils n'arrivent plus à convaincre ?» Parce qu'il y a eu cette gauche qui a décidé, et d'ailleurs, Manuel Valls a tué cette gauche. Ouais, et c'est lui qui a parlé de gauche irréconciliable, mais comment. C'est à cause de lui. Mais là où c'est intéressant, et c'est quelque chose de nouveau, c'est que quand il frappe, dorénavant, l'arc, le fameux arc républicain, moi je parlerai plus de l'arc du racisme, il part de l'extrême droite, et des fois il s'avère que ce n'est pas les plus violents. C'est-à-dire que moi, Caroline Fourest, est beaucoup plus violente à l'égard de gens comme nous qu'une Marine Le Pen. Et là où c'est quand même déterminant, je vous donne un exemple. Daniel Obono et moi, on est toutes les semaines, ou elle, ou moi, ou d'autres, dans les pages de Valeurs Actuelles. J'ai encore pris un article récemment. Voilà, c'est des très mauvais journalistes et celui qui était leur élite a basculé au JDD. Ce qui est assez intéressant, c'est quand vous voyez ce qui s'est passé, c'est que il faut une caricature sur Daniel qui fait le tour du monde dans nos réseaux. Même moi, qui travaille avec les Américains, les Anglais, ils disent c'est quoi ce dessin ? Quand vous parliez tout à l'heure du petit journal, c'est une caricature coloniale d'une femme. Il n'y a rien qui va. Et comment il s'appelle, j'oublie son nom. Ils ont été condamnés d'ailleurs pour cette caricature qu'on n'a pas, mais qui peignait Daniel en esclave avec des chaînes aux pieds, des chaînes à la gorge, qui était ultra violente. Mais ce que tu dis, qui est intéressant, c'est que je pense que la violence pour Daniel, si je puis me permettre, je vais la laisser parce que ça lui appartient, mais moi je l'ai vécu avec les journalistes de Valeurs Actuelles, c'est quand tu vois ton agresseur qui est condamné pour ça, aller sur les plateaux télé
pour ne pas dire avoir une évolution professionnelle, puisque Geoffroy Lejeune est quand même passé d'un torchon comme Valeurs Actuelles et de redevenir le JDD. Et que tu as derrière un milliardaire qui dit « Mais moi, la rédaction, les 50 là, ils ont beau faire grève, et moi, je l'ai vécu avec iTélé. Ouais. Je suis prêt à assécher cette rédaction pour mettre un mec avec qui je suis d'accord. » Et Geoffroy Lejeune, est un, je le dis parce que c'est passé inaperçu, mais le diable est dans les détails, ce week-end a essayé avec le JDD, il a raté, de refaire une Thomas avec un événement qui est passé, oui, un fait divers dans le Tarn. Qui était totalement faux. C'est un article du Canard Enchaîné, oui, qui le révèle et qui était vraiment, mais un travail. Il faut que tu mesures ce qui s'est passé. C'est-à-dire, ouais, et moi, c'est là où je suis en désaccord, c'est qu'en fait, la machine d'extrême droite, quand ils ont un algorithme, puisqu'on pourrait parler d'algorithme quasiment journalistique, ce que disait William est tout à fait vrai, c'est-à-dire il faut que ça parle, il faut que ça nous rappelle quand même l'histoire de Thomas, mais on va trouver ce fait divers, mmh, où il y aura les uns contre les autres. Et ça, pardon de vous le dire, vous devez comprendre quelque chose de très important. C'est que, en fait, il y a une France, il y a une France, mais il y a plusieurs types de Français. Et tous qui vont dans le sens de la France. Je veux dire, je ne regarde plus le sport parce que visiblement, il n'y a que des Arabes et des Noirs qui savent marquer des buts dans ce pays. Mais je vous donne le cas de Noël Le Graët. Noël Le Graët, il y a d'ailleurs une commission d'enquête en ce moment, mmh, sur le racisme dans le sport. On va trouver, pardon, je sais que les racistes détestent le mot, c'est systémique. Mmh. C'est que Noël Le Graët, à son âge, dit ça parce qu'il se dit, je peux me permettre de le dire. Qu'est-ce qui va se passer au pire? Bien sûr que je peux pas mal parler. Et en fait, quand on regarde aujourd'hui toutes les fédérations du foot, de sport, pardon, c'est la même sémantique, c'est le même problème que, oui, le journaliste. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, au pire, si on parle mal d'un arabe ou d'un noir sur, mmh, un plateau de chaîne d'info, il va faire quoi? Il va appeler l'ARCOM. Et bien l'ARCOM, ils vont faire quoi? Oui. Ben ils vont rien faire. C'est alors là où ça devient systémique. Et c'est là où ça va être intéressant de voir comment l'ARCOM, et moi je trouve ça malvenu et je prends sa défense ce soir, de donner des amendes stratosphériques à Cyril Hanouna, ouais, et de ne pas se poser la question de celle de CNews. Oui. Je veux dire, quelqu'un qui paye 3 millions d'euros, il y a un groupe derrière, il va le payer. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment Pascal Praud, qui a commencé sur une chaîne où il faisait pas d'audience, et a fini c'était un journaliste sportif à la base. Non, non, mais c'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il a pris, en fait, Pascal Praud, le temps, oui, d'installer une marque. Et comme, c'est comme McDo. McDo a tellement pris le temps qu'à un moment, ils ont fini par nous faire croire que ce qu'on mangeait, c'était bon. Mm. Et dans le doute, on s'est dit, mais c'est vrai que peut-être c'est bon. Pascal Praud, et je le dis, Daniel a tout à fait raison de dire, si des gens, et William, vraiment, je vous le dis ce soir, et vous aussi, vous avez le talent pour dire, je crois qu'y aller, c'est cautionné. Il y a un slogan chez les antiracistes qui dit une phrase simple. Si on est quatre à table et il y a un nazi, il y a quatre nazis. On ne parle pas avec eux parce que tout simplement, le fait de vous faire venir, c'est, ils se disent, mais regardez ce que vous avez dit tout à l'heure, regardez cette diversité d'opinion. Pas du tout. C'est que vous leur servez. Ça leur permet de dire, mais attendez, je suis inattaquable. J'ai cet être merveilleux. Et nous, on a mis du temps à le comprendre. C'est-à-dire cette espèce de baudruche arabe ou noir qui va sur les plateaux et qui finit par dire, mais regardez, c'est exceptionnel. Et on devient le punching ball de la France. Je veux dire, on doit être dit non en France à être automatiquement invité et on n'en sort pas. Attendez. Vous opposez les camps, et je suis d'accord avec vous, je partage ça pleinement, et qui dites, nous les Noirs et les Arabes, moi je ne vois que des Français. Donc si vous voulez, c'est vrai que déjà, on n'est pas tout à fait sur la même longueur. Venez, on va une boîte de nuit ensemble, vous allez voir qu'on n'est pas au même niveau de francité. J'y vais pas souvent, mais. Stéphano voulait dire quelque chose, il a très peu parlé, et ensuite je passe la parole à William et on. Mais non, mais c'était. On avancera dans. C'est un temps de retard, parce que c'était en réaction à l'idée que les classes populaires votent extrême droite. Oui. Donc c'est un des aspects de Mambourg, c'est faux. Mais c'est intéressant de voir. Et deuxième. Non, donc les ouvriers. Non, mais c'est pour montrer aussi comment les médias organisent ouais, une certaine une certaine vision des choses et comment c'est difficile de débattre dans ces cadres. Parce que donc. Données IFOP, Ipsos, etc. C'est pas des données. C'est oui, oui. À la prise en charge, c'est un ouvrier sur quatre qui vote Le Pen. Trois sur quatre ne votent pas Le Pen. Et pratiquement aucun ouvrier vote Zemmour. Ou vraiment, c'est complètement résiduel. Et pour l'AFP, c'est un peu moins. Le premier, non, mais oui, non, mais non, je veux dire, le premier comportement politique chez les ouvriers, c'est l'abstention. Le deuxième, c'est Le Pen. Et le troisième, c'est le vote. C'est exactement ce que je dis. Non. Parce que de là à dire les ouvriers votent extrême droite. Mais j'ai pas dit ça non plus. Alors qu'il y a de plus en plus de classes populaires alors, votent pour la droite nationale. Mais il reste trois ouvriers sur quatre qui votent pas extrême droite. Tout à fait. Et pareil sur les classes populaires qui votent extrême droite. En réalité, c'est IFOP qui classe les ménages par niveau de revenus. L'extrême droite est en tête chez les catégories
moyenne inférieure. Chez les catégories les plus pauvres, c'est Mélenchon qui a tête. Donc, c'est ça le problème. Par exemple, moi, je n'ai jamais été invité ni par CNews, ni par BFM. Donc, je n'ai pas le problème de refuser cela. Mais si on proposait un débat... Vous iriez ? Imaginez un débat. Non, je n'irai pas. Parce que imaginez un débat sur le thème « Pourquoi les ouvriers votent extrême droite ?» dans lequel on est 5. Oui, oui. 4 qui sont là et déjà, pour valider, question est biaisée, quoi, pour valider cette idée. Et vous avez 3 minutes pour dire tous ces débats et sur des bases qui sont fausses. Quoi. Ah, donc ça ne passe pas. Donc le fait d'aller dans un débat qui dit... Tronqué, ouais. Qui, avec la question « Pourquoi les ouvriers votent extrême droite ?» vous allez, vous validez... Ouais. La question, c'est pas une question de valider une réponse ou une autre. C'est la question, c'est l'organisation, c'est le type de questions qui est posée. Le contexte. Voilà, qui laisse passer c'est l'idée que voilà que maintenant les classes populaires sont parties vers l'extrême droite massivement. C'est impossible voilà. Qui répète. Maintenant ça me revient. Pierre Bourdieu qui était un peu qui avait des problèmes. Ah, il voulait être tout seul, il voulait savoir où étaient placées les caméras, il voulait savoir quand est-ce qu'on changeait de caméra, sinon il n'y allait pas. Il a été très très peur à la télé. Mais bon, sans arriver à ce niveau-là. Les questions qui sont posées, elles ne sont pas anodines du tout. Ça structure les débats. Oui, voilà. Sans compter le fait que quand il y a quelqu'un qui n'est pas dans le mainstream, qui n'est pas, etc., il se retrouve tout seul avec 4 ou 5 autres débatteurs. Je ne parle pas de moi. C'est quand je regarde les chaînes télé, de temps en temps, il y a quelqu'un qui est classable à gauche. Les rares fois que je vois la télé, je vois quelqu'un qui est classable à gauche. En général, c'est de la gauche, centre-gauche. Hein, c'est pas... ah, et qui est confronté à 4 ou 5 qui sont sur des positions de droite. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est le type de questions qui sont posées dans les débats. Mais tout va ensemble. C'est ce que disait William aussi sur le temps de parole. Avoir 20 secondes pour parler. Sans compter avec que qui on parle et sur quoi on parle. Voilà, si vous avez une minute pour vous exprimer... pour répondre à une question, et que vous devriez expliquer pourquoi la question est mal posée, pourquoi il faudrait la poser différemment, etc. Et après, donner votre réponse, non pas à la question qui vous est posée, mais à l'autre, que vous expliquez être la bonne, la minute que vous avez pour vous exprimer est partie. Quoi. Voilà. Une question pour vous, William. Est-ce que vous pensez que les plateaux de Pascal Pro et l'éditorial qui est choisi pas chaque matin, mais en règle générale, est raciste ? Moi, j'y suis jamais allé. J'ai pas regardé non plus dernièrement. Alors, je pense que c'est la même. Mais... C'est, les thématiques sont reprises tout au long de la journée. C'est vrai que souvent, les bandeaux, si on fait une veille sur CNews, on va se rendre compte que les mots violence, insécurité et islam reviennent très, très souvent. Est-ce que vous pensez que l'organisation rédactionnelle d'une chaîne comme ça est raciste ? Moi, je différencie deux points. Est-ce que c'est considéré comme raciste d'un point de vue de la loi ? Je ne pense pas. Parce que sinon, il serait sanctionné par l'ARCOM, etc. Par contre, est-ce que beaucoup de personnes... Comme ne fait pas son travail, et CNews a été condamné pour racisme. Mais est-ce que l'ensemble des émissions sont comme ça ? C'est la question que vous posez. Moi, je ne pense pas. Est-ce qu'ensuite, après, des éditorialistes peuvent tenir des propos qui sont considérés comme racistes ou qui peuvent heurter beaucoup de personnes qui se revendiquent de telle ou telle communauté ? Je pense oui. Mais ensuite, après, est-ce que c'est la responsabilité de la chaîne de ne pas les inviter ? Est-ce que c'est la personne qui est invitée doit se faire bannir des médias lorsqu'une fois qu'on a été condamné par la loi pour racisme, etc. C'est une question qui se pose. Je pense que la question globale que vous posez, c'est la question de la liberté d'expression. Je pense que la question de la liberté d'expression, si par cas on adopte le cadre américain, on irait dans le mur. Moi, je pense plutôt qu'il faut être très clair sur quelles sont les causes qui relèvent du racisme ou pas, et qu'une fois que vous avez été condamné, je pense qu'on doit à peu près s'entendre pour bannir les gens qui sont condamnés pour ces propos-là. Oui. Et donc, vous acceptez, par exemple, d'aller sur une chaîne qui a fait la promotion d'une personnalité comme Zemmour, qui a été déjà 4 fois condamné, souvent pour injures racistes ou pour appel à la haine des musulmans. Enfin, on connaît son idéologie. C'est l'équivalent d'un Soral, mais pour criminaliser un qui criminalise ou qui injurie, qui discrimine les juifs, l'autre qui est plus sur les musulmans. Ça ne vous dérange pas de participer à l'émancipation ou aux discussions de cette chaîne ?
Moi, je ne pense pas que vous participez. Moi, je pense qu'en fait, les médias vous offrent un cadeau. C'est là, un peu ce que je racontais lorsqu'on vous invite et que j'étais à l'époque question du station-service. Vous avez l'occasion de vous exprimer. Et la question, c'est ensuite, après, qu'est-ce que vous en faites? Moi, je pense que les médias sont un outil et qu'en fait, vous avez différents outils. Soit vous servez des réseaux sociaux pour vous exprimer. Soit vous utilisez les médias. Il faut se saisir des outils pour faire ce que vous voulez. Vous avez chacun un but. Hein. Vous exprimez pour faire valoir une expertise. Vous exprimez pour gagner des élections ou pour gagner un combat politique. Et pour d'autres personnes, essayer de faire gagner ou pas des idées. Moi, je pense qu'il faut saisir un outil. Si on vous l'offre, vous le prenez et vous l'utilisez à bon escient. Samuel, je vous en prie. Oui, je voulais revenir un petit peu sur, parce qu'on a parlé plusieurs fois là, donc de l'ARCOM, et est-ce que CNews, par exemple, ou tel journaliste de CNews, ou chroniqueur de CNews, viole la loi, en fait? Est-ce qu'il enfreint la loi? Est-ce que ça, ce qu'il fait est pénalement répréhensible? Mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a un truc un petit peu... Je reviens à la source. La source, c'est un signal hertzien. C'est-à-dire que CNews utilise une fréquence hertzienne qui est un bien public qui appartient à l'ensemble de la nation française. Enfin, voilà. Qui nous appartient, voilà. Et donc... CNews n'est pas seulement tenue par la loi sur la diffamation, sur l'insulte raciste, etc. Elle est tenue aussi par une convention qu'elle a signée avec l'ARCOM, qui n'est pas tout à fait la même que celle du média, puisque le média, vous ne bénéficiez pas d'une fréquence hertzienne gratuite. Si. Vous négociez. Ah bon ? Maintenant, oui. Oui, ah, pardon. Enfin, du coup, vous avez dû négocier une convention avec le CSA, avec l'ARCOM. Voilà, dans la convention de l'ARCOM, c'est très intéressant de la lire, la convention de CNews avec l'ARCOM, c'est pas très long. Et voilà, il y a des grands principes qui sont rappelés. L'équilibre des temps de parole, l'information équilibrée. Et surtout, c'est une chaîne d'information. CNews doit être une chaîne d'information. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'études pour voir que c'est une chaîne d'opinion. Et je suis très admiratif des gens qui essayent d'aller sur cette chaîne pour porter des opinions contraires à celles qui sont exprimées généralement. Mais malheureusement, j'ai peur que ce soit peine perdue parce que vous êtes dans un dispositif dont on a parlé tout à l'heure qui fait que vous êtes seul contre 5 ou 6 et que votre parole est invalidée automatiquement. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur le... est-ce que la télé fait voter ou les médias font voter plus à droite, à gauche, ou enfin, est-ce qu'elles ont une influence sur le vote? Voilà, moi, je ne suis pas politologue, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historien non plus, mais je vois juste que quand on étudie le public, les audiences de ces chaînes, c'est plutôt des gens âgés et qui votent. Voilà, ouais, donc, ouais. Comme disait Yacine tout à l'heure, les gens, les jeunes que tu fréquentes ne regardent pas. Je ne regarde pas. Non. Si, il paraît que tu les fréquentes. Je suis bourgeoisé selon la LFI. Voilà, je reviens aussi, parce que je reviens du coup sur les cas que vous citiez, Paul, sur la France, l'Italie ou les Pays-Bas. L'Italie, à propos de télé, ça a quand même été un pionnier en matière de télé-poubelle. Avec Berlusconi. Quoi. Et la dégradation du débat public, la télé y a fait beaucoup. Et Berlusconi, avec cette télé, a quand même beaucoup participé. Et effectivement, là où on rejoint, où je pense que tout le monde se tient la main et qu'on tourne un peu dans un sens vicieux, les politiques ont aussi effectivement leur responsabilité. Et là, j'arrive aux Pays-Bas. Ce qui s'est passé aux Pays-Bas, c'est qu'un pouvoir... soi-disant de centre-gauche, a repris les thématiques de l'extrême droite et a appliqué des mesures d'extrême droite, voilà. Notamment... Au Danemark. Au Danemark. Au Danemark, sur les questions sécuritaires. Là, aux Pays-Bas, c'est... Gabrielas. Je parle de Gabrielas. Alors vous parlez de l'extrême droite. Voilà. Non, mais au départ, c'était un gouvernement de centre-gauche, plutôt. Ouais. Voilà, qui allait sur le terrain de l'extrême droite. Ouais. Parce qu'elle pensait qu'effectivement, les classes populaires votaient à droite, que la société se droitisait, c'est eux-mêmes qui se droitisent, c'est les élites qui se droitisent. Parce que lui, c'est clairement un Trump ultra-raciste. Ce qu'a fait le centre-gauche aux Pays-Bas, c'est qu'ils ont mené des politiques d'extrême droite, en matière d'immigration notamment, et restreignant drastiquement les conditions d'accueil et d'hébergement des immigrés. Les immigrés se sont retrouvés à la rue, dans des conditions pas possibles, à devoir survivre. Les télés sont allées filmer ces immigrants qui envahissaient les rues, qui envahissaient les champs, qui envahissaient les espaces publics, parce qu'ils n'avaient nulle part autre où aller, dans un état déplorable. Et après, on se dit... Et après, les gens ont eu peur des immigrés et ont voté l'extrême droite. Voilà, donc... tout le monde se tient la main dans cette histoire. Il y a un effet d'entraînement. Et je pense que même le fait d'utiliser ce mot malheureux de migrants, qui sont en vrai plus des réfugiés ou des exilés que des migrants, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un mot qui est accepté dans les médias. Je voulais juste faire une prolongation, parce qu'on a un petit magnéto à envoyer. On va se rendre compte à quel point la chaîne CNews est une chaîne d'opinion avec... le dernier édito de Pascal Praud, et on commente.
fameux système commence à réécrire Crépole. Le système est composé de politiques, éditorialistes, intellectuels, artistes, personnalités. Le système, insidieusement, sournoisement, faussement peut-être, met en place les nouveaux éléments pour expliquer que la mort de Thomas n'est pas celle qu'on a racontée. Des racailles munis de couteaux ont débarqué à Crépole. Ils ont provoqué la mort de Thomas le 18 novembre dernier. Emmanuel Macron a parlé d'assassinat. Ce récit sera battu en brèche par le système. Je connais le système. Je connais ses relais. Je connais ses partis pris. Je connais ses biais idéologiques. Je connais la puissance du rouleau compresseur du système. J'ai lu Le Parisien ce matin. J'ai écouté France Info. J'ai entendu hier soir une chaîne info. C'est parti. La réécriture est en marche. Vous n'avez pas vu ce que vous avez vu. Le système va vous expliquer. Alors, on va pouvoir commenter justement, et je trouve que c'est là où ça devient un petit peu problématique, c'est quand un journaliste ne veut plus écouter les faits qui ont été révélés par les enquêteurs. Et quelqu'un comme Pascal Praud, qui justement passe son temps à faire la promotion de la police, c'est-à-dire que c'est des gens qui, voilà, qui travaillent dur, j'ai trouvé que ça allait à contre-rebond de ce qu'il fait habituellement, William. – Je crois qu'il y a deux sujets dans cette séquence. La première, c'est… Est-ce qu'un présentateur a le droit de faire un édito ou pas ? Je pense que ça pose question parce que lorsque vous organisez un débat, qu'un présentateur ne doit pas être neutre et ne doit pas en fait juste distribuer la parole plutôt que donner son avis. – Là, c'est un discours qui est clairement complotiste en plus. – Là, il donne son avis, donc c'est la question qui se pose. Est-ce qu'on ne doit pas différencier le rôle de présentateur, éditorialiste, comme dans des débats normaux où en fait, le présentateur il donne juste la parole et il introduit juste un contexte. Le deuxième point qui est problématique, je pense, dans cette séquence, c'est que… qu'on puisse avoir une interprétation idéologique de ce qui se passe. Par exemple, dire que le meurtre de Thomas n'est pas un fait divers, mais peut être un fait de société parce qu'il se multiplie plusieurs fois, ça peut se défendre. Là où je pense que c'est problématique, c'est lorsque des confrères se disputent entre eux la vérité et notamment lorsque des faits sont racontés. On peut dire que les faits seront faux ou pas, mais pour l'instant, les faits donnés par Le Parisien, qui sont confirmés parce que ça part des rapports donnés par la gendarmerie, vont dans ce sens-là. Et je pense que ça peut être problématique dans ce sens-là, parce que c'est la question qui a été posée tout à l'heure. C'est que normalement, une chaîne d'information doit restituer des faits pour qu'ensuite, après, le téléspectateur et les débatteurs puissent s'exprimer sur les faits en question, qui surtout s'ils sont vrais. Non, on est très loin du respect de la convention de l'ARCOM. Oui. Effectivement, on est dans l'ère de la post-vérité, du complotisme. Et juste pour signaler que c'est un fonds de commerce, enfin, c'est une ancienne de CNews, le complotisme, qu'on entend très souvent, là on l'entend dans le cas de Crépole, mais par exemple sur des controverses, des soi-disant controverses scientifiques qui n'en sont pas du tout, sur le climat ou sur le Covid, il y a eu des discours complotistes incroyables sur CNews. Et tenus par la même personne. Et par plein d'autres. Il a participé à ces discours-là. Non seulement cette expression complotiste. Moi, j'étais contre le pass sanitaire, par exemple, et je me suis traité de complotiste. Je pense que on parle du vrai terme. Je me suis traité d'extrême droite parce que j'étais contre le pass sanitaire. Pas parce que vous étiez sur CNews, non. Bah, ce serait tout aussi stupide, d'ailleurs. J'ai cité, par exemple, sur le réchauffement climatique, ils invitent des gens qui nous expliquent que c'est les Verts allemands qui ont pris le pouvoir du GIEC et de l'ONU. Voilà, ça, c'est quand même, j'ai jamais entendu ce genre de propos, mais si j'ai ça en face de moi, je peux vous dire que l'écologie, je vais répondre. Moi, c'est pas tellement. Daniel, pour moi, l'extrême droitisation, c'est le renversement permanent, en fait. Une chose devient son contraire. Et là, en fait, vous avez Pascal Praud, qui est l'expression, je veux dire, du système. Si on doit parler d'un système médiatique. En termes sociologiques, etc., en fait, c'est l'exemple parfait de comment fonctionne le système médiatique de trajectoire professionnelle, etc., qui bénéficie de tous les privilèges possibles, dont la carrière n'existe que parce qu'il y a un système médiatique hiérarchique, pyramidal, etc., quoi. Et pour moi, c'est précisément un discours... extrême droitisé, parce que c'est ce que fait l'extrême droite, en fait. Dire, en fait, les mots n'ont plus de sens. Voilà, le système devient. On a l'impression que c'est le petit média indépendant qui a fait son enquête et tout d'un coup, tous les médias. Enfin, c'est un retournement permanent. Et moi, je pense que c'est ça qui est l'expression de presque absurde, en fait. C'est l'absurdie là où on est, où ceux-là même qui constituent
le pinacle du système médiatique de pouvoir, de domination, explique que en fait c'est eux, voilà, on ne peut plus rien dire. C'est typiquement les, on ne peut plus rien dire. Et eux qui passent leur temps à dire à les critiquer choses et à la victime, comment les gens se victimisent en fait. Oui, eux aussi sont dans la victimisation. Et puis c'est les prescripteurs par excellence de ce qui doit être dit, de ce qui doit être pensé, de comment on doit penser, qui explique que désormais ils ne sont plus, enfin que je ne sais qui d'autre les empêche. Mais je voulais juste rebondir sur deux choses parce que quand vous posez la question, est-ce que vous iriez ou pas ? Nous, on a ce débat-là, y compris régulièrement, de savoir où est-ce qu'on va, est-ce qu'on y va. Mais juste pour dire, en fait, je pense que c'est pas, ça peut pas être une réponse uniquement individuelle. Moi, je crois qu'il faut faire des choix individuels de moi, est-ce que je suis cohérent ? Moi, j'ai fait des choix de dire je veux plus me subir des violences sur des plateaux, donc je ne réponds plus à rien et même je me barre quand je suis insultée. Mais ça peut pas être en fait une réponse simplement des individus parce qu'en fait, on fait face à une structure globale. Et quand on parle, par exemple, de l'ARCOM, c'est important que vous le redisiez, parce que c'est pas une judiciarisation. D'abord, le droit, en fait, ça veut dire quelque chose. L'état de droit, ça veut dire aussi, en fait, la liberté d'expression, elle a des limites, elle est encadrée. Et même si, elle est très... les tribunaux sont très libéraux, en fait, c'est peu sanctionné, et on peut considérer que c'est très bien, mais quand même, en fait, c'est pas judiciarisé de dire qu'en fait, des gens qui font une incitation à la haine doivent être sanctionnés. C'est défini par la loi, justement. Donc, elles sont tenues de respecter la loi, elles sont tenues de respecter leurs engagements. Et ça, on peut décider de ne plus leur accorder un mandat. Je veux dire, si on décide en 2024, on considère que CNews, à un moment donné, pas simplement la loi, mais les engagements, le cahier des charges politiques, etc., elle peut être interdite d'émission en 2024. Donc là, c'est là où, du coup, la réponse, elle n'est pas juste des gestes individuels, c'est un choix politique de dire, voilà, nous, on va faire une commission d'enquête, je refais de la pub pour cette commission d'enquête, parce qu'il faudra la suivre, c'est Aurélien Saint-Toul qui s'en occupe, et si on a, en fait, les éléments, et que si on avait un vrai Parlement qui avait un vrai pouvoir, mais que le pouvoir politique s'en empare, on peut dire, voilà, en 2024, il peut ne plus y avoir de CNews et ce sera parfaitement légal et ce sera parfaitement normal et ce sera le respect de l'état de droit. Et pour moi, c'est ça la bataille aussi. Pas simplement des choix individuels de est-ce que vous iriez et t'es dans un rapport de force où t'es défavorable. Enfin, c'est... Et puis il y a une problématique quand le présentateur de ces émissions à grand public est clairement un opposant à Mélenchon. C'est-à-dire que... Et pas que. On ressent sa favorisation politique quasiment dans toutes ses prises de parole. Mais sur Pascal Praud, là, ce qui vient de se passer, pardon, mais moi, j'étais assez heureux parce que je crois que c'est une belle victoire pour les gens autour de cette table qui suivent. Je me suis dit, là, il a pris plus confiance que même le système médiatique. Et étant un féru de tragédie grecque, je me suis dit, c'est Achille Talon, quoi. Il se dit, mais mon talon, en fait, vous pouvez tirer dessus. Non. Là, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient déjà d'affaiblir son groupe, parce que ce que vient de dire Daniel, moi, j'ai hâte, si je suis encore de ce monde, vu les menaces que je reçois. Dans un an, je pense que Bolloré peut avoir un très mauvais cadeau de Noël. C'est tout simplement le fait qu'on lui dise, c'est fini. Et il le sait, il le sent. D'ailleurs, il y a quand même cette question aujourd'hui dans le groupe Bolloré. Il ne faut pas oublier quelque chose. Le cynisme est absolu. C'est que c'est quand même Bolloré qui fait le plus pour la diversité. Canal Plus Afrique, c'est quand même très concret. Et pardon de dire ça. Investi dans plein de films. C'est Canal Plus. Mais au-delà de financer des films, l'abonnement de Canal Afrique, c'est ce qui permet à CNews d'exister. C'est des Noirs qui subventionnent un blanc, qui passent leur vie à les insulter. Il y a un truc qui va te faire rire. Une fois, quand je parlais, j'ai fait ce débat dorénavant, j'allais dire mythique, pour pas dire mystique, pour les fachos, face à Éric Zemmour. Et Pascal Praud, parce que j'ai pas d'estime pour lui, parce que comme tu l'as dit, déjà, c'était un très mauvais journaliste sportif, mais alors un journaliste tout court. Et je lui donnerais même pas ce titre. C'est même pas de la polémique, c'est quasiment c'est un fou furieux. Comment ce débat s'est organisé ? Je l'ai jamais raconté, je te le raconte. C'était en 2019. Il m'appelle, il a mon numéro, et il me dit « Bonjour, je crois que vous m'aimez pas ». C'est quand même étrange, déjà, de commencer par là. Et je dis « Mais vous êtes qui ?» Il me dit « Non, oui, Et il me dit « Je suis Pascal Praud ». Je dis « C'est vrai, je vous aime pas ». Il me dit « Je vous propose quelque chose, mais je pense que vous allez dire non ». Et en fait, je me dis « Il parle dans la vie comme il parle dans son émission ». Je dis « Proposer ». Il me dit « Je viens de raccrocher avec Éric Zemmour ». Et on s'est dit « Jamais Yacine Bellatar viendra faire un débat avec lui ». Je dis « Ce que vous faites, c'est que vous le rappelez ». Et vous dites que c'est OK pour moi.
Bon, je me suis mis, du coup, en position de... fallait se retrouver. Et il faut vivre ce plateau. Parce que, comme disait William, quand il y a beaucoup de gens, bah, c'est un peu la cohue, tout le monde gueule et tout. Mais quand je suis arrivé sur le plateau, la mise en scène, comment Pascal Praud il est, et je te dis, dans cette notion d'avoir créé des monstres, ce débat a quand même été, faut pas l'oublier, un mois après, Zemmour a eu son émission quotidienne. L'audience a tellement explosé, et je me suis rendu compte que ça m'appelait, pardon de dire ça, parce que quelques temps après, je suis parti au Mali. Et quand j'étais au Mali, j'ai parlé avec les gens, je leur ai dit, mais pourquoi vous avez du ressentiment contre la France? C'est pas juste la lecture coloniale. Il m'a dit, mais parce qu'en fait, on capte ces news. Et on regarde ces news. Ces news est vu en Afrique. Ouais. Et quand les mecs, ils allument leur chaîne, mais ils se disent, un, déjà, il n'y a rien à tirer en termes d'histoire commune, parce que, objectivement, la question du rapport entre la France et l'Afrique, je déteste ce nom, évidemment, pour des raisons que tout le monde sait, mais évidemment que la question allait se poser. Et là où je ne suis pas d'accord, pourquoi les médias en France, vous parliez tout à l'heure d'Occident, c'est très intéressant. Je ne crois pas qu'il faille définir les gens dorénavant par Occident ou Orient. C'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe d'ailleurs sur le conflit israélo-palestinien, si on prend un peu de hauteur par rapport à ce conflit, qui est quand même, disons-le, l'un des plus clivants au monde, hein, parce qu'il y en a d'autres, hein, je crois que nos amis arméniens, ça ne va pas fort, partout dans le monde, l'Ukraine, mais celui-ci fige notre société, c'est le moins qu'on puisse dire. L'Ukraine, on est tous passés à autre chose. Ce qui est intéressant, c'est que ce conflit s'enlise parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle le Sud global, qui est en train de taper du poing sur la table, aussi avec leurs médias. Les Saoudiens ont une manière de raconter le conflit israélo-palestinien. Les Russes, pardon, mais moi je vais vous dire quelque chose de très pragmatique. Si je devais écouter que les médias français, j'ai tous les arguments pour détester Poutine. Bon, par rapport au fait d'être français, ma culture. Quand je l'ai vu reçu hier à Dubaï, comme une star de rock, et je me suis dit, est-ce que nos journalistes, sous prétexte de dire on défend la culture française, ce que nous sommes, les droits de l'homme, en fait, est-ce qu'on n'a pas donné des mauvaises réputations à des gens qui, dorénavant, aujourd'hui, ont fait de la France un pays, il faut le dire, pardon, isolé. Plus personne ne veut travailler. Vladimir Poutine n'est pas un ami des droits de l'homme. Mais ce n'est pas le problème d'être... Les droits de l'homme, c'est nous. Pardon de vous dire ça, mais moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis afro-européen, je vais vous dire quelque chose d'assez simple. Je suis un Européen, je suis français, mais je suis aussi Marocain et je suis aussi dans ce magnifique continent qui s'appelle l'Afrique. Je vais vous dire quelque chose, c'est plus comme ça qu'on dit. Quand il y a eu le printemps arabe, tout Radio France et France Télé disaient « on a apporté la démocratie aux pays arabes ». Regardez dans quel état sont ces pays aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez en Tunisie, vous leur dites « on remet Ben Ali », ils applaudissent des mains et des pieds. Et aujourd'hui, ce que je vous dis, la Syrie, vous pensez que vraiment, objectivement, je ne suis pas en train de vous dire que Bachar al-Assad est un mec formidable, mais en tout cas, dans ces pays-là, il y a quelque chose... Les interventions occidentales dans ces lieux-là, dans ces pays-là, n'avaient été nulles et non avenues. Mais par extrapolation, je vais vous dire quelque chose, la télé, c'est pareil. Si vous prenez un paradigme qui, visiblement, n'est pas le vôtre, mais qui est le mien, quand je regarde la télé aujourd'hui, je me dis deux choses. Ça me rappelle Marie-Antoinette avec la brioche. Ce sont des petits bourgeois prétentieux qui se disent « Mon Dieu, le système frappe. Ils sont devant les grilles. Il y a toujours cette ambition où ils vont être attaqués, alors que pas du tout. » Mais c'est... pas fait une manif devant cette grille. Mais alors qu'on n'a jamais fait de manif, d'ailleurs, et il y a ce truc de « on a peur du monde extérieur ». Mais parce que vous êtes le seul communautarisme qui vaille en France. C'est pas le nôtre. Moi, je ne traîne pas qu'avec des Arabes. C'est celui de l'entre-soi des médias. Et le deuxième point qui est intéressant, c'est que quand moi, j'allume ma télé, il me renvoie à quoi ? À la condescendance. Et pardon, je vous le dis, vous ne l'avez pas vécu. Moi, malgré le fait que ce que je fais, ce que je défends, l'argent que je gagne, il y a toujours quelque chose qui me suit, malgré ce que je suis. C'est cette petite condescendance. Vous ne faites pas de procès d'intention. Vous ne savez pas de quel milieu je viens. Vous me dites, vous ne l'avez pas vécu. Vous ne savez pas. Dans l'absolu, on n'a pas la même pigmentation. Mais je vais vous dire quelque chose. Ah, vous pensez que c'est ça qui... Non, c'est pas je pense. C'est pas je pense. C'est je sais, en fait. C'est que je vous dis qu'aujourd'hui, quand moi... J'ai une carrière aujourd'hui où ça fait maintenant quelques années qu'il attendent pour essayer de trouver ou un lien avec Baghdadi, Daesh, ou avec je ne sais quoi. Et que, pardon, je le dis parce que c'est des... Moi, je vous connais pas et je vous crois. Mais vous serez invité au spectacle. Je sais que vous avez quelques galères. Vous n'êtes pas payé à CNews, c'est gratuit. Mais je vais vous dire quelque chose. Ça fait longtemps que je travaille avec Télérama. Je vous donne un exemple. Quand j'ai commencé ma carrière, un jeune humoriste, on a tous un peu commencé en même temps, s'appelait Gaspard Proust. Regardez ce cas d'école. Porté au nu par nos amis de Télérama. Des exceptionnels. Je vous dis quelque chose, j'aime beaucoup Télérama, il y a vraiment beaucoup des journalistes. Ils doivent être en ce moment dans un état psychologique d'avoir écrit il y a 10 ans que c'était le nouveau des proches, alors que Gaspard Proust est vraiment un garçon qui à la base était talentueux. Mais quand je regarde aujourd'hui son travail sur Europe 1, ce que disait Daniel est tout à fait vrai. C'est devenu l'humoriste de ce système-là. Et vous savez, moi j'ai été formé par Guy Bedos. Guy Bedos nous disait un truc assez simple, un humoriste est toujours dans l'opposition. Je suis, moi, de part... C'est vrai que j'ai côtoyé le président de la République, mais je reste la personne la plus critique à son égard. J'ai déjà dit publiquement, je le redis ici, jamais les musulmans ont été aussi mal
de la Ve République, durant ce septennat déguisé. Mais la vérité, c'est parce qu'on a cette franchise, et comme les grands maîtres, comme Coluche, comme Desproges, qui avaient une maison avant, qui était celle de Canal+, où est-ce qu'un humoriste aujourd'hui va aller faire des blagues? Je vous conseille d'écouter le service public, c'est des humoristes qui font des blagues aujourd'hui, vous vous dites, et c'est ce que je dis, l'extrême droite, quand ils n'aiment pas, ils ont le moyen d'anéantir. Et ils ont moyen d'anéantir immédiatement. Et c'est un passage, tu en parles, c'est dans ton spectacle, je me souviens très très bien de cette histoire avec Desproges et toute cette histoire qui est ultra marrant et en même temps touchant. Oui. Paul, je... Oui, moi, je n'ai pas l'expertise pour répondre sur les sujets des humoristes. Ça, c'est un sujet que je connais assez peu. Bah, vous avez assez news. Je connais peu. Et ça, c'est condescendant, par exemple, à l'égard de la rédaction. C'est news. Des fois, la condescendance est nécessaire. Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent. Et voilà. Pour ce qui est du reste, je pense que, en fait, le fond du débat, on l'a évoqué et j'aimerais le réévoquer. Le reste, si vous voulez... le débat pour ou contre Pascal Pro, est-ce qu'il faut l'aimer, ne pas l'aimer? Moi, je vous dis, je suis quelqu'un de très, très loyal en amitié et je réfléchis aussi avec le respect et l'humanité que j'ai pour les autres. Pascal Pro est quelqu'un pour qui j'ai grand respect. C'est quelqu'un avec qui je suis ami. Et vous pouvez dire ce que vous voulez sur ses opinions politiques et vous avez bien raison de le faire. Moi, je serais prêt à me battre pour que Pascal Pro puisse continuer à faire ses éditos en liberté, comme je serais prêt à me battre pour que vous puissiez avoir une bonne fréquence, que vous soyez écouté, que vous ayez de l'audience. Et c'est aussi la raison de ma présence ce soir, c'est que je suis heureux de débattre avec vous tous, je suis heureux de débattre, même si vous avez vos biais idéologiques, comme ceux de Pascal Pro en a, comme France Culture en a, comme France Inter en a, comme Arte en a. Je suis habitué, je connaissais, je termine. Je suis très loin des éditos de Pascal Pro. Mais je vous souhaite d'avoir aussi beaucoup de notoriété. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de notoriété. On a un angle totalement différent. Justement, mais c'est ça qui est intéressant dans le débat public. Ouais. C'est que vous avez deux narratifs, vous avez deux récits, vous avez deux opinions politiques qui sont diamétralement opposées. Moi, je trouve ça formidable. Je n'ai pas une immense expérience dans les médias. Je suis assez jeune. Je viens aussi d'un milieu populaire où on n'était pas dans les médias. Jamais personne dans ma famille n'a été. Mais par contre, de ma petite expérience des deux ou trois années où j'ai fait plein de plateaux différents, je n'ai jamais connu un seul plateau où il n'y avait pas une ligne éditoriale et où les questions qu'on me posait n'étaient pas orientées. Tous, avec des orientations différentes, naturellement. Quand j'arrivais sur un débat sur l'écologie, par exemple, où tout le monde autour de la table était écologiste, on m'orientait le débat comme ça. Quand j'arrivais sur un débat un peu... J'en ai eu, oui, je pourrais vous donner les noms des plateaux et je suis heureux d'y aller puisque je suis écologiste moi-même. Mais il y a plein de plateaux et où il y a des orientations politiques. Et j'aimerais terminer parce que Yacine n'a pas été coupé. Moi, je suis coupé, par exemple. Ça, c'est une pratique. Juste pour préciser votre propos. Les autres, enfin, ce que fait Pascal Pro avec, comme je dis, islam, banlieue, racaille, immigration, insécurité, enfin, si c'était fait envers d'autres communautés, c'est-à-dire peut-être la communauté dans laquelle vous vous sentez représenté, vous auriez peut-être sûrement un petit peu plus de mal. Vous vous sentiriez. Moi, je suis laïque, républicain, socialiste. Et bien, envers les laïcs, voilà mes libertaires, voilà mes communautés. S'il passait son temps à mettre en avant justement les crimes qui sont plus représentés chez les libertaires, par exemple. Ah, alors, vous ne pouvez pas si bien dire, parce qu'une fois, non, c'était pas chez lui, mais j'avais fait un plateau de télé où on amalgamait l'anarchisme et les libertaires avec les attentats, avec la mort de Sadi Carnot, avec Action Directe, avec Georges Besse, et j'ai dit, vous n'y êtes pas du tout, les gars, l'anarchisme, c'est plus compliqué que ça, et j'ai fait, si vous voulez, la généalogie du socialisme municipal, ça devrait vous intéresser, je pense que vous êtes comme moi attiré par ce biais idéologique-là, par Marx Dormoy, par Cabot, par Fourier, etc. Donc, si vous voulez, moi, je pense que, et d'ailleurs, je pensais aussi à ce que vous disiez sur les insoumis qui doivent aller ou non à CNews, moi, je me rappelle d'un débat que j'ai fait avec Manuel Bompard, où on s'est bien amusé, c'était intéressant, c'était sur CNews d'ailleurs un soir, j'ai débattu avec Manuel Bompard de la 5e République ou de la 6e République. C'était une de vos propositions. Moi, quand j'étais étudiant et lycéen, je suivais beaucoup la campagne de Jean-Luc Mélenchon qui m'intéressait, et Mélenchon avait déjà cette idée de la 6e République. Et on a parlé avec Manuel Bompard, et je pense qu'à une heure de grande écoute sur un média mainstream, comme on dit, pouvoir parler pendant une demi-heure ou 20 minutes, je ne sais plus, même si on a été coupé, même si tout n'est pas parfait, je suis d'accord avec vous, j'ai parlé avec Manuel Bompard de la 6e République ou de la 5e République, avec un positionnement gaulliste d'un côté, avec comment est-ce qu'on peut introduire de la démocratie directe, qui sont des sujets que je trouve très importants. Là, on a passé un bon moment de débat et de télévision, et je pense que Manuel Bompard serait aussi de cet avis-là sur ce débat. Donc, si vous voulez, il ne faut pas mettre tout en bloc. Je pense que quand on essentialise... Moi, je suis contre le fait d'essentialiser les musulmans. Quand on dit les musulmans sociaux ou les musulmans sociaux, moi, ça me hérisse les poils, et je suis contre ces positionnements-là. De la même manière, quand vous dites « Oui, bon, tous ces gens-là, c'est des humoristes à CNews, c'est des guignols, ou ils sont d'extrême droite », ben, pardonnez-moi, c'est pas vrai. Il faut faire de la nuance, là aussi. C'est un travail de sociologie, c'est un travail d'histoire, c'est un travail de philo. On ne peut pas dire d'une catégorie de personnes données, quelle qu'elle soit, c'est ça.
C'est, le problème, c'est que si vous voulez, c'est comme ça qu'on clive. Je termine juste là-dessus. C'est comme ça qu'on clive. C'est comme ça qu'on oppose une société. Et du coup, tous les téléspectateurs qui regardent les chaînes d'information, qui habitent un peu partout en France, qui peut-être sont dans la France périphérique ou autre et qui aiment regarder je ne sais quoi, BFM, CNews ou quoi, si vous voulez, si vous dites que bah, c'est qu'un ramassis d'abrutis auquel il faut retirer leur fréquence via l'ARCOM, si vous voulez, le problème c'est que les gens aussi qui vont vouloir, qui m'arrêtent dans la rue, qui discutent, bien, vous devriez parler de ci, vous parlez de ça, du pouvoir d'achat, tel sujet, etc., on réfléchit, on analyse, bah, vous coupez aussi ça. Et je trouve qu'on devrait interdire des médias avec une main qui tremble. C'est très dangereux, c'est comme les rassemblements. Moi je faisais partie de ceux qui disaient on n'interdit pas des rassemblements politiques pacifiste. Eh bien, c'est pareil avec les médias. On n'interdit pas la parole, on la laisse libre. Voilà. Moi, j'aime la liberté. Pardon. Mais est-ce que votre loyauté ne vous aveugle pas ? La loyauté vous aveugle du fait déjà de dire... Pardon, hein, je vous dis ça, je ne vous connais pas, mais à un moment, moi, si j'avais quelqu'un dans mon entourage qui avait des propos racistes, ça serait irréversible. Je veux dire, à un moment, il n'y a personne qui dit « Quand je vois Hitler, on parle de foot. » Non, non. Hitler, c'est Hitler. Et pardon, parce qu'on peut dire « Ah, ben Yacine Bellatar compare Hitler à Pascal Praud ». Pas du tout. Pire que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous mettez dans une position, et je vous le dis, ce que vous dites est très intéressant, mais il y a cette espèce d'effet, pardon si je puis me permettre, assez bourgeois dans votre propos. Vous êtes mal tombé parce que j'étais étudiant boursier. Mais c'est pas le problème. Je ne suis pas en train de vous dire de m'amener des fiches là-dessus. tout le monde est ravi d'aller au Crous, mais je vais vous dire quelque chose là-dessus. Juste là-dessus. Depuis tout à l'heure, vous dites oui, mais moi, je ne l'ai pas vécu. Je ne comprends pas de quoi on parle. Je vous dis juste que Pascal Praud aujourd'hui, non, je vais aller au bout. Pascal Praud aujourd'hui, il est sous le coup de la loi. Donc ça, ce n'est même pas le paradigme d'une Obono ou d'un Bellatar. C'est celui de Gontier, qui n'est pas visiblement sénégalais, qui dit pardon, mais moi, juste la loi, je vous dis ça, ce n'est pas normal. Il n'est pas juge d'instruction non plus. Non, non, mais en tout cas, non, mais quand on lit, c'est assez simple. Maintenant, la vraie question, c'est de se dire, et ce que souligne William, et je trouve son engagement ce soir pas anodin. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si dans les semaines qui viennent, ils vont l'appeler. Je vous donne un exemple récent, parce que visiblement, j'ai défrayé la chronique en ayant la mauvaise idée un jour de rentrer dans un immeuble où j'aurais pu rentrer si j'étais livreur Deliveroo, qui est l'Elysée. Laurence Ferrari, c'est une présentatrice du 20h, c'est une figure populaire, finit par m'insulter à midi sur CNews, mais en plus, elle écrit un édito dans Paris Match. Donc ça rappelle la centralisation, c'est-à-dire que les mêmes personnes finissent par écrire les mêmes choses. Et donc, ça crée une caisse de résonance. À mes yeux, Laurence Ferrari est sortie d'une compétence journalistique et dorénavant, elle est éditorialiste. Et ça a des conséquences. Le journaliste ramène les faits, rien que les faits. Et quand les faits ne sont pas rapportés, pardon, dans des pays pas très loin de chez nous, en Angleterre, il y a des journalistes qui démissionnent. Il y a des journalistes, quand ils ont menti, qui disent « Moi, les amis, je suis allé trop loin ». Dans l'édito, pardon, ce qui vient de se passer, et je reviens là-dessus, ce qu'a fait Pascal Praud, c'est essayer, ce que disait Daniel à juste titre, c'est inverser et créer le doute en face, en disant « Mais attendez, le complotisme, c'est que je pense, c'est le meilleur allié de l'extrême droite. » Et le fait de dire, même quand on vous dit que c'est une rixe entre jeunes qui a mal tourné, et il y a eu « On va casser du bougnoule », comme peut-être il y a eu, et je mets ça au même niveau, « Sale blanc, ouais. on va donner un coup de couteau à des blancs », je veux dire, ça, pour moi, ça montre, ça raconte la jeunesse, ça raconte la violence. La bêtise, l'alcool. Mais quand on vous dit « Non, mais attendez, mais même Éric Ciotti, je tiens à rappeler que cet homme-là a des ambitions présidentielles, finit par dire « Moi, je trouve pas que c'est l'ultra-droite ». Je vais vous donner le cas de Romans-sur-Isère. Qu'est-ce qui se passe, Romans-sur-Isère ? Il y a 100 jeunes qui débarquent dans un endroit, ils ne connaissent pas Romans-sur-Isère. Ils ne savent pas comment c'est physiquement. L'un d'entre eux est attrapé par ceux de la cité. Il est blessé grièvement. Qui le sauve ? Qui le sauve ? Des gens de la mosquée. Des gens de la mosquée. Ça, je d'accord. Savais pas. D'accord. Vous me la prenez, donc déjà, je pense que être d'extrême droite, être agressé par soi-disant des racailles et être réveillé par un barbu, c'est au moins 200 ans de psychanalyse. Mais ce qui va être intéressant derrière, c'est comment la machine médiatique s'empare du sauveur et finit par dire il n'a pas été sauvé. Ils disent la personne qui l'a réveillé, elle est fichée S. Donc ça veut dire que même quand il y a un acte héroïque, on arrive à criminaliser. Et pour finir, puisque ce matin je l'ai vu sur BFM et je le dis, sachez que j'ai des désaccords d'un point de vue j'allais dire financier avec Jean-Luc Mélenchon. Mais ce matin j'ai vu une image, moi j'ai un format qui s'appelle le multi-décomplexe. Je prends le multiplex de Canal sur les buts. Et en fait, je le mets sur des images de racistes. Parce que durant le Covid, je changeais entre BFM et CNews et j'avais l'impression de regarder But à Lorient, But à Lille. Et je me suis dit, il faut en faire. Et c'est un format qui cartonne. Je l'ai arrêté depuis un mois. Pourquoi ? Parce que j'ai tellement de contenu qu'en fait, je ne sais plus comment faire. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Ce matin, je regardais BFM.
Et il y a le patron du syndicat des restaurateurs qui a dit, je voulais dire quelque chose au grand imam Mélenchon. Blefoumk, tais-toi en arabe. C'est-à-dire que le ferme ta gueule, le ferme ta gueule de l'archer, qui est déjà condamnable, je l'ai condamné. En 6 heures, a été arabisé, a été islamisé. Et en fait, on fait Mais quoi vous prouvez quoi qu'il y a quelqu'un qui a dit une stupidité ce matin à la télévision. C'est pas, je suis d'accord non, avec là, vous. Là, vous faites preuve de mauvaise foi sans mauvais jeu de mots. C'est que vous êtes suffisamment. Je vous soupçonne d'être suffisamment intelligent pour vous dire quelque chose. On peut être en désaccord politiquement, mais le bon sens nous fédère dans ce pays. Et quand moi je vois, la seule limite que je me donne, c'est celle de dire avec des gens qui sont racistes, qui expulsent des Français, pardon de vous dire ça, les émois de ce pays, c'est quand il y a Mbappé qui marque contre l'Argentine, qu'on le veuille ou non. Et d'avoir maintenant, dorénavant, cette grille de lecture qui est très très grave, bien sûr, il y aura des Camille qui vont arriver, et il y aura des Fatoumata qui vont arriver, qui seront des femmes politiques, il y en a d'ailleurs une à Paris, qui est une femme politique de premier plan. Et en fait, là où vous voulez tordre cet aspect-là, et vraiment, je vous le dis, depuis tout à l'heure, je vous écoute, mais le fait de me dire, moi, Pascal, je suis loyal. Moi, ma loyauté, elle se... Je suis loyal à mes amis, si vous préférez. Donc, j'ai plein d'amis donc différents, quelque part... Dont la plupart ne seront pas de télévision, pardon, j'ai que deux ou trois amis à la télévision. Mais pardon, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'en ai 1000. Et, c'est bon, pas eux que j'appelle quand je crève sur le bord de l'autoroute, parce qu'en général, ils ne viennent pas. Le mot ami, maintenant, il est galvaudé. Mais je vous dis juste quelque chose. Je vous dis juste quelque chose là-dessus. Et moi, je suis père de famille. J'en suis réduit à dire à mes enfants, il ne faut pas regarder la télé. Pourquoi ? Parce que, objectivement, mes enfants, que j'aime, eh ben, ça les bousille dans leur tête, parce qu'ils sont en pleine, j'allais dire, ils sont en pleine construction de cette francité, et ils allument la télé, ils voient un édito comme ça en disant, mais excuse-moi, papa, il parle de le monsieur là, qu'est-ce qu'il raconte sur nous ? Et que vous ne soyez pas, je ne sais pas si vous avez des enfants. Non. Eh ben, écoutez, ce que je vous propose, on se revoit dans 9 mois, et vous allez voir que votre vie, elle a changé. Parce que quand c'est le paradigme mais des enfants... Sur les enfants. Mais il y a aussi mais un système qui permet à Paul Melun de pouvoir rester ami avec Pascal Pro. Pas du tout. Non, mais il ne pourrait... S'il était ami avec un autre raciste, par exemple, comme tout à l'heure, j'ai nommé Soral, je pense qu'il aurait beaucoup plus de mal à l'assumer sur les plateaux télé. Il est curieux de voir avec qui je suis ami. Je suis ami avec très à gauche. Avec Soral gens. Non, je ne le connais pas. Mais je suis ami avec beaucoup de gens dans mes cercles personnels. C'est pas le débat ce soir, c'est pas très intéressant, mais puisque vous placez le débat sur ce terrain-là, effectivement, moi je pense que si vous voulez, puisque vous avez repris les 5 secondes avant mon développement qui a priori était plus intéressant que mon analyse sur mon amitié avec Pascal Pro, mais je le trouve sympathique et humainement très correct avec moi, je l'ai toujours vu comme quelqu'un de très correct et humainement sympathique. C'est parce qu'il est correct avec vous qu'il n'est pas correct avec nous. Et quand je suis en plateau avec lui, je n'ai jamais entendu de sa bouche un propos raciste. Bah donc non. Effectivement, je les ai pas. Excusez-moi. Alors, je suis désolé, ça tourne au débat. On le refera avec grand plaisir. Paul, là, c'est niveau ORL. Alors, juste pour la dernière question qu'on va se poser, c'est comment... Alors, on a parlé, justement, de la loi contre... Enfin, on va parler de la loi contre la concentration des médias, mais aussi du travail qui est fait chez la LFI pour, justement, faire respecter la loi et que l'ARCOM fasse son métier. Mais est-ce que... C'est la question que je vais vous poser à tous, et je vais commencer avec vous, Stéphano. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, est-ce qu'il faut débattre avec l'extrême droite? Est-ce qu'il faut aller sur les plateaux mainstream? C'est, même si vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle médiatique? Et est-ce que vous iriez débattre sur ce genre de plateau? Non, j'ai déjà dit tout à l'heure, dans les chaînes, pour ce que je vois, des grandes chaînes télé, pas les conditions. Même si le débat était organisé différemment? Si les questions étaient bien posées, si c'était moi qui vous invitais, par exemple, face à quelqu'un d'extrême droite, est-ce que vous dites... Moi, je suis un enseignant-chercheur, donc je me pose la question pour moi. Évidemment, quelqu'un qui est un responsable politique... Non, moi, je parle de vous, je parle de pour vous. Moi, je trouve qu'il y a pas, que ce n'est pas un espace de réflexion, voilà, c'est tout. Ce n'est même plus... Que ce ne soit pas un espace de réflexion, c'est un peu dans l'ordre des choses. Pour ce que je perçois... C'est même plus un espace d'information. Il y a des choses. On n'a pas de biais idéologiques. On a chacun. On a une idéologie. C'est pas un biais. N'importe quel. Mais je suis attaché à l'idée qu'il y a du bon journalisme de droite, du bon journalisme de gauche, et il y a du mauvais journalisme de droite, comme il y a du mauvais journalisme de gauche. Et le bon journalisme, c'est celui qui informe. Et par exemple, pour prendre cette histoire de Pascal Pro, de son édito, comment ça fonctionne? On choisit
un fait divers. Alors, quand j'étais jeune, moi, c'était en Italie, dans les journaux, il y avait la page fait divers, et après, il y avait la page politique. C'était des pages différentes. Hein. C'était pas, on ne faisait pas de la politique sur les faits divers. Non, là, on fait de la politique sur les faits divers. On choisit un fait divers. C'est une sorte de pari. Là, visiblement, c'est un pari perdu parce que ça ne s'est pas passé comme ils espéraient. Mais ça aurait pu être un pari gagné. Bon, est-ce que c'est de l'info ? Alors, si on voulait faire de l'info sur un niveau d'insécurité ou je ne sais pas... On ramènerait des sociologues, France, oui, on ramènerait des professionnels. On regarderait des statistiques. Oui. On ne choisirait pas... On prend celui-là parce que ça a l'air d'arranger... Oui, aujourd'hui, on est plus dans l'émotionnel que dans le réel. Si on va chercher les faits divers qui a l'air d'arranger un certain récit, on n'est plus dans le registre d'information. Alors, comment est-ce qu'on fait pour lutter ? Parce qu'aujourd'hui, l'extrême droite est présente partout, sur tous les plateaux, dans tous les médias. Qu'est-ce qu'on fait si on se sent de gauche? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ces discours-là? On crée des espaces alternatifs, comme vous l'avez fait, parce qu'on est là. Moi, aux médias, c'est pas la première fois que je viens très... Très volontiers, pas parce qu'on partage des objectifs politiques, c'est parce que je sais que, par exemple, dans un débat, je pense que tous ceux qui sont ici ce soir vivent cela, on a le temps de s'exprimer, on a le temps d'argumenter, etc. Encore une fois, je ne connais pas très bien les grandes chaînes, mais je n'ai pas l'impression que ça fonctionne comme ça, du tout. Alors, vous boycottez les grandes chaînes, les plateaux mainstream, il ne faut pas y aller ? Non, les boycotts, encore une fois, moi si on m'a invité, j'accepte d'aller où je sais que j'ai le temps d'argumenter, d'exprimer, etc. En même temps, dire aux responsables politiques qu'il faut boycotter, je ne sais pas si c'est une très bonne idée, parce que pour quelqu'un qui fait de la politique, boycotter, c'est disparaître. Hein. Alors là, on a parlé beaucoup de CNews, mais CNews, c'est un peu un cas extrême. Et pour les journalistes ? Pas seulement extrême droite. Pour les journalistes, si on allait au bout de ce que j'ai dit, qu'on allait dans les espaces où on cherche du vrai débat, où on laisse le temps de s'exprimer, où on n'introduit pas des biais clairs, on ne soumet pas les responsables politiques de gauche à des interrogatoires alors que les responsables politiques de droite ils s'expriment en tout, dans les applaudissements de la salle. Bon, il faudrait boycotter BFM, LCI, CNews, okay. etc. Donc du coup ça revient à disparaître. Bon, donc je comprends que ce soit un choix... Alors pour avoir compliqué. La réponse plus claire, parce que je ne l'ai toujours pas eue, est-ce que moi, par exemple, est-ce que vous me conseilleriez d'aller sur un plateau, par exemple, de Pascal Praud ? Non, je ne vais pas avec ces gars. En tant que... Il y a des personnes qui vont chez Pascal Praud. Non, mais en tant que... en tant que militant antiraciste, est-ce que vous conseillez un militant antiraciste comme ça, influenceur ou leader Twitter, d'opinion, d'aller sur ce genre de plateau ? Alors, j'ai déconseillé à Pablo... C'est Vivien, que je connais très bien. Sur Twitter... J'ai vu la liste invitée, donc c'était sur une chaîne publique. Oui, sur France 2. Parce que c'était... Oui, j'ai vu la liste invitée. Comment s'appelle ça ? Mélenchon ne sert à rien. Et donc, je lui ai dit, n'y va pas, parce qu'il y avait une liste invitée qui donnait des frissons dans les dos. C'était les seuls qui avaient une étiquette gauche. Voilà. Et il a été... Bon, après, il fait ce qu'il veut. Mais donc, oui, j'ai déconseillé d'y aller, donc... Mais est-ce qu'au final, quand on fait ça, est-ce qu'on n'abandonne pas le champ médiatique à ces discours-là ? Je pense honnêtement que les responsables politiques doivent y aller. Moi, je parle en dehors des politiciens. Les gens, les journalistes, les intellectuels, les artistes, etc., il n'y a pas de raison qu'ils aillent... Si le contexte, c'est... Il y a un récit qui est structuré, on a bien qui est écrit, ouais. Et on y va... En gros, pour les valider, oui. Non, je ne vois pas de raison pour les... On est juste la caution, entre guillemets, antiraciste ou de gauche. C'est ce que je disais à Pablo. Tu vas être la caution de gauche. Tu vas être un mec qui a 15 invités. Je reviendrai pour une dernière question, parce que je n'ai pas eu la réponse à comment est-ce qu'on lutte. Ben, j'ai compris de créer d'autres médias, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Samuel, je vous pose la même question. Est-ce qu'il faut débattre avec l'extrême droite et ou se rendre sur ce genre de plateau mainstream ? Je suis d'accord avec tout ce qu'a développé Stéphano. Je classerais quand même CNews à part, malgré tout. parce que là, il n'y a plus d'ambiguïté. Ils sont complètement hors sol. Et voilà.
Karim Zeribi qui est sur CNews par exemple, c'est devenu un peu la star des réseaux sociaux. C'est un peu le seul entre guillemets raciste. Bon, ses interventions sur le conflit israélo-palestinien, mais pas que, ont énormément tourné sur les réseaux sociaux et sur Twitter. Il y a plein de gens qui lui disent merci. C'est-à-dire qu'il y a une certaine frustration dans le manque de ces discours-là qui est créé par ces médias. C'est l'idiotile de CNews, Karim Zeribi. Enfin, je signale au passage qu'il a été condamné aussi. Oui, bien sûr. Donc, il fait partie des et puis, ce n'est pas quelqu'un de gauche, c'est plus quelqu'un de droite. Voilà. On est d'accord. Pas dans le, juste rappeler, pas dans la même... Les autres, c'est quand même un registre. Non, pas pour des problèmes d'expression publique, mais pour des problèmes financiers. Oui. Et comme la plupart des intervenants politiques de ce pays, quand même. Je tiens à le rappeler quand même. Non, je vais reprendre une phrase un peu célèbre, c'est on ne discute pas cuisine avec des anthropophages. Quoi. Là, je pense que sur CNews, la question ne se pose pas. Après, je pense qu'il y a deux niveaux, effectivement. Il y a des médias indépendants, il y a des médias... période électorale, on va être obligé d'inviter ces politiciens. Non, mais justement, c'est là que c'est important pour CNews. Ils sont partis tellement loin qu'ils sont déjà boycottés par tellement de monde qu'au bout d'un moment, ils se retrouvent entre eux et leurs obligations légales, ils ne peuvent plus les remplir. Et ils sont morts. Voilà. Parce que là, ils en sont pas loin. Déjà, on le disait tout à l'heure, ils en sont pas loin. Donc là, il suffit de pas grand-chose pour qu'ils basculent hors la loi, tout simplement, parce qu'ils n'auront pas les temps de parole, parce que personne n'ira plus. Il y a déjà beaucoup, beaucoup de monde qui n'y va plus. Voilà. Après, pour les autres médias, qui sont très variés, et je pense que c'est très varié. Même sur BFM TV, malgré ce qui s'est passé ces dernières semaines, qui était affreux, il y avait quand même quelques espaces de temps en temps. Là, il n'y en a pas eu récemment, pas beaucoup. Mais je pense qu'il y a effectivement deux niveaux. Il y a le niveau individuel et il y a le niveau collectif. Et il y a le niveau individuel où est-ce que les conditions sont réunies ? Est-ce que je vais pouvoir y aller ? Et voilà. Est-ce que j'impose mes conditions ? Je connais un chercheur spécialiste du Proche-Orient, d'Israël, de l'histoire d'Israël et de la Palestine, qui n'a pas été aussi précis que Pierre Bourdieu, au sens où il n'a pas voulu diriger les caméras, mais qui a imposé des conditions très strictes pour pouvoir aller débattre du conflit à Gaza. Il est passé dans deux ou trois médias, principalement de service public. Les autres, il n'y est pas allé parce que ces conditions n'étaient pas remplies. Donc voilà, il y a une question de responsabilité individuelle, mais aussi, je pense, comme disait Daniel tout à l'heure, qu'il y a vraiment une responsabilité, enfin, des actions collectives à mener, pour ne pas aller sur CNews, pour signaler ce qui ne fonctionne pas à l'ARCOM ou au juge, etc. Il y a des actions collectives à mener pour se mobiliser pour les médias indépendants. Enfin, voilà. Après, je laisse chacun... Alors, William, je vais vous poser la question comme si je ne connaissais pas la réponse. Est-ce que vous pensez qu'il faut aller sur ces médias mainstream ? Est-ce que vous pensez qu'il faut débattre avec l'extrême droite en général, et pas uniquement dans les... quelqu'un de gauche peut aussi être invité sur un média indépendant ou sur un média qui fait des vidéos sur YouTube pour débattre avec quelqu'un d'extrême droite. D'ailleurs, moi, je le fais demain, je débat face à Pierre Gentillet dans un média qui s'appelle Le Crayon. Enfin, moi, j'y vais, j'ai décidé d'y aller. Je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez de... Je pense qu'il y a une réponse générale, c'est que je pense qu'il faut toujours y aller. Mais ensuite, après, il y a des réponses individuelles. Par exemple, Yacine parlait du cas où il a pu faire profiter de sa notoriété à Jean Messia, etc. Donc il y a des cas individuels sur est-ce que vous venez, est-ce que vous ne mettez pas des conditions sur votre venue, en disant moi je viens uniquement si telles conditions sont respectées ou pas, parce que pour garantir une certaine neutralité et d'équilibre du débat, vous pouvez dire moi je viens, mais en condition, c'est quoi l'équilibre du plateau, est-ce que moi je vais être traité correctement, est-ce qu'on va me couper la parole, etc. Est-ce que c'est ce que vous faites par exemple Actuellement, je connais à peu près les émissions où je vais, et c'est pour ça que j'arrivais sur le deuxième point, c'était que on disait souvent c'est news en général. Mais quand vous prenez CNews, moi j'ai fait à peu près toutes les émissions, de celle à 6h du matin. Alors c'est laquelle la plus raciste ? Celle à 22h. Enfin, la seule émission que j'ai pas faite, c'est la question que vous posez à chaque fois, c'est celle sur Pascal Pro. J'ai jamais été invité par Pascal Pro. Jean-Pascal Pro. J'ai jamais été invité par Pascal Pro. Mais quand vous regardez, les émissions de CNews ne sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que si vous allez sur l'émission de l'après-midi, c'est beaucoup plus calme que les émissions de débat comme celle de Morandini ou celle de Pascal Pro. Donc les émissions sont pas totalement racistes après le déjeuner. C'est ça le vrai débat. Non, mais les thèmes sont même pas les mêmes. Les thèmes sont pas du tout les mêmes, parce que moi je les ai faites. Par exemple, les thèmes qui sont portés chez Pascal Pro et chez Morandi sont très portés sur le régalien, la sécurité, l'intégration, etc. Mais est-ce que vous pourriez aller chez Morandini ? Moi, je l'ai fait une fois. Non, mais William, je suis un peu plus incisif que mon cher Camille Magnifique. Ouais.
Est-ce que vous, je pense que vous êtes bien élevé, vous avez été pompiste et tout. Est-ce qu'on va chez Morandini après sa condamnation? Est-ce qu'on est capable, disant « je suis le fils de mes parents, voici mon éducation », à quel moment on va chez Morandini? Pour être juste deux condamnations auxquelles il a fait appel, mais oui, il a été condamné pour harcèlement sexuel. Sur mineur. Donc. Alors, une sur une personne qui était mineure à la période des faits, et pour une autre affaire, ces gens-là étaient adultes, mais c'était des jeunes. Est-ce qu'on y va? Je pense que ça pose un vrai problème de conscience pour chacun, en fait. Vous posez une vraie question. William. Est-ce qu'on y va ? C'est un vrai problème. Donc, c'est une question que je me pose de temps en temps quand j'y vais, donc c'est une vraie question. Moi, j'ai un pote à moi, là, il a braqué une banque, il va lancer une émission de télé, il est exceptionnel, il faut y aller, et c'est un cas de conscience. On n'y va pas, je suis désolé. Oui. Jean-Marc Morandini, c'est encore braquer pire. Braquer une banque, c'est moins... Oui, oui, mais braquer juste... Oui, Yacine, oui, bah, reprends-toi. Et voilà, un Italien qui me dira, mais il y avait du panache. Mais juste dire quelque chose, pardon, pardon de couper, mais William et Paul... Les amis, franchement... On a l'impression qu'il veut vous adopter, ce soir. Mais les gars, je vous le dis, vous êtes jeunes, vous avez l'avenir devant vous, ça passe par vous. Si aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui arrive, nous, ça y est, on est cabossés, on est finis, de toute manière, on est responsable de tout. Mais je vous dis, si vous êtes capable aujourd'hui, non pas de poser des conditions, tout ça, on n'est pas Jay-Z ou Beyoncé à dire, je veux que la lumière, elle soit là, la caméra, elle soit là. Les mecs, ils vont dire, bon, écoute, de toute manière, je vais le trouver, le mec qui va dire ce que je veux entendre. C'est ça, en plus. C'est que, quelque part, vous dites, oui, mais on est libre. Non. Quand le mec, il fait son émission, il sait déjà les couleurs, les nuances. Il dit, elle est un peu comme ça, lui, il est un peu comme ça. Ah, ça va faire du clash. Pardon, là, parce que c'est le sujet du moment. Ouais. Mais il faut un moment qu'on soit capable en amont. Et je pense, moi, parce que je reste quand même profondément quelqu'un de gauche pour des raisons qui m'appartiennent, je pense qu'on se retrouve, pour ceux qui ont connu, on est juste avant Mitterrand. Mitterrand, il ne faut pas oublier qu'il n'arrive pas au pouvoir. D'ailleurs, il a eu le talent de nous faire oublier ce qu'il avait fait durant la Seconde Guerre mondiale. Mais Mitterrand, il vient porter par un courant, par un élan, parce que les artistes, ils disent, on vous emmerde tous. Et ce n'est pas un gros mot que de le dire. Il y a un grand auteur qui s'appelle Aimé Césaire qui l'a dit. Le nègre, il t'emmerde. Et je veux dire, si on n'est pas capable aujourd'hui, vous surtout, de dire, eh ben en fait... Les médias, dans leur généralité, bah on vous emmerde, je ne viendrai pas. Et en plus, c'est des photos qui vont vous suivre. C'est-à-dire que si vous commencez aujourd'hui à rejoindre ce système-là, on vous sortira des photos, on vous dira... Ça les dérange peut-être pas. C'est ça aussi. Moi, je pense que Paul l'a dit, il discute avec tout le monde. Donc, il ira sur une émission qui peut être considérée, entre guillemets, comme d'extrême gauche, tout comme une autre qui sera d'extrême droite. Je pense que, comme tu l'as dit, c'est une histoire de conscience et tout. Et puis, je pense que cette discussion, on la fera plus après que maintenant. J'aimerais juste... Je vous laisserai conclure. Sur la question de l'extrême droite, moi, je vais revenir sur le débat qu'avait mentionné Paul. Quand Mélenchon affronte Zemmour, Mélenchon est à 5 ou 10, je crois. Zemmour est à 15 ou 20. Il est annoncé au second tour par tout le monde. Il devait battre Le Pen, il devait battre Pécresse, etc. Ce qui s'est passé 8 mois après, moi, je pense que Zemmour, en fait, surmobilisé ce qu'on appelle le vote communautaire musulman, etc., en faveur de Mélenchon, qui s'exprimait pour une simple et bonne raison, en disant on va éliminer Zemmour et faire porter Mélenchon, c'est notre victoire à nous. Et donc je pense que le débat. C'est une belle histoire. Non, mais finalement, le débat. William a posé la question, parce que je suis musulman, je vais vous dire ce qui a créé pour une fois un bloc monolithique musulman qui n'avait jamais existé, parce que ça fait des années qu'ils fantasment l'islam politique. En fait, ça n'a jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu de liste qui s'appelait Allahu Akbar, il fout en salle. C'est ce qui fait que Mélenchon a cristallisé tout le vote musulman, et je peux vous le dire autour de moi. Un ami à moi a une très belle phrase qui résume assez bien. Je préfère voter contre ma poche que contre ma religion. Et en fait, les musulmans ont voulu, non pas parce que Zemmour vaut rien dans les discussions musulmanes, c'est juste un fantasme, ils ont voulu surtout montrer au président Macron que quand ils le veulent et qu'ils se mobilisent, ils sont faiseurs de rois. Oui. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'électorat musulman, qui est assez volage, il faut dire la vérité, se retrouve aujourd'hui dans quelqu'un qui défend leur position. Mais Mélenchon a outrepassé, pardon, ma chère Danielle, vous lui passerez le message, a outrepassé cette vision-là politique durant cette séquence. À force de venir et dire les musulmans devraient les musulmans sont en train de dire, mais en fait, on ne prie pas 5 fois par jour en direction de Mélenchon. Mélenchon est un homme politique qui s'avère quand il fait preuve d'humanisme, et excelle. Mais ce que je veux dire par là, pour finir, c'est qu'il faut créer des propres médias, et c'est notre cas aujourd'hui, pour conclure là-dessus. Moi-même, je lance une radio aujourd'hui, et j'ai décidé de ne plus travailler, qui s'appelle Jam, qui est une radio afro-européenne. Pourquoi ? Parce que ça fait 20 ans que je nourris cette bête médiatique. Ça fait 20 ans que je la nourris, que je la contexte, mais en même temps, où je prends son argent. Il ne faut pas oublier le circuit. On ne peut pas critiquer CNews et accepter que Bolloré finance son film. Si on critique CNews, on n'accepte pas l'argent qui émane de CNews. Et là, aujourd'hui, nous, quand on a créé cette radio, on a fait une cagnotte, les gens, aujourd'hui, sont en train de se fédérer en disant « il y a de la place pour un autre narratif ». Et moi, que ce soit le service public ou CNews, comme ça, au moins, on est d'accord,
Pour moi, ils sont autant sectaires. C'est juste qu'ils ne s'habillent pas avec les mêmes marques. Mais la vérité, c'est qu'ils ont cette vision qui est « nous, ce n'est pas pareil ». Je vous conseille d'écouter France Inter du matin au soir. Vous vous dites « mais excusez-moi, est-ce que ça va la tête ? Est-ce qu'entre vous, là, en plus Zadig et Voltaire, pardon de dire quelque chose, Léa Salamé, je ne vais pas ôter parce que c'est une très grande journaliste, mais il ne faut pas oublier que quand elle prend l'antenne et qu'elle parle de Mélenchon pendant à peu près 3 heures dans La Belle Époque, pardon de dire ça, parce que Léa est une bonne journaliste. Mais là, elle oublie. C'est la compagne d'un homme politique de gauche qui s'appelle Raphaël Glucksmann, ouais, et qui va prendre, visiblement, qui veut prendre un rôle durant les européennes. Mais là, il faut voir la mascarade. C'est que d'elle-même, alors c'est vrai que la question, peut-être lui ne devrait pas se présenter et elle rester journaliste. Je ne suis pas toujours d'accord pour dire que c'est la femme qui doit démissionner. Mais quand je regarde cette émission pendant 3 heures, où vraiment, à la fin, moi qui ne supporte pas Mélenchon, je finis par avoir envie de le soutenir. Parce qu'il n'est pas là, parce que Pablo essaye de faire comme il peut avec son magnifique pull, essayer de s'en sortir. Mais la vérité, c'est que cette émission correspond à ce qu'on combat, même chez CNews. Et voilà. Et je pense que c'est plus les médias, enfin, le système qui a affilié ce rôle de leader des musulmans à Jean-Luc Mélenchon, plutôt que Jean-Luc Mélenchon lui-même. Moi, je ne l'ai jamais entendu parler au nom des musulmans. C'est quelqu'un que je suis. Il le fait, François. Je l'ai pas, c'est pas. Mais ce n'est pas un calcul. Je ne pense pas que Mélenchon s'est réveillé un matin en se disant « Je vais aller vers le seul électorat qui, disons-le, vote assez peu, n'est pas concerné. » Je te donne un exemple. Romans-sur-Isère, Cité de la Monnaie, taux d'abstention 89%. Ah oui, et donc, ça donne lieu à quoi ? Ça donne lieu, et pardon, cette construction médiatique que tu connais, la maire de Romans-sur-Isère, qui est plus à droite que l'extrême droite, ouais, qu'on a vu ces derniers jours, et qui est plébiscitée par la presse, qui se dit « c'est incroyable ». Il ne faut pas oublier qu'elle est menacée de mort aussi, et que voilà, tu as devant toi peut-être quelqu'un… Si un jour j'entends quelqu'un qui te menace de mort, on va se tutoyer, je serai le premier à aller le dénoncer et à lui foutre la tête au carré. On ne menace pas de mort les gens. Non mais bien sûr, après… Ni vous, Yacine Bellatar, ni… Je la mère de Romans-sur-Isère. Qui mange un peu plus de protéines que toi, mais c'est je bien. Prends ta candidature. Mais voilà. on est tous aujourd'hui menacés de mort. Je fais 95 kilos. Il n'y a personne qui légitimera ce genre de parole. Daniel, voilà. Je vous donne la parole pour conclure. Comment est-ce qu'on lutte contre l'extrême droite et surtout, est-ce qu'on débat avec eux sur ces plateaux ou ailleurs ? En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on va y faire ? Voilà, c'est pas juste débattre pour le. Enfin, même si on y prend du plaisir intellectuel et puis on est content parce qu'on a donné ses idées. En fait, non, mais c'est très bien. Mais d'abord, je pense pas que c'est comme ça qu'on y accède. Comme je vous disais, moi, si je m'appelais pas Daniel Obono et que, y compris, j'avais pas eu mon visage dans Valeurs Actuelles, en fait, ils s'en foutaient. Ou alors, voilà, je me suis fait prendre. La seule audience médiatique que j'ai 90% du temps, c'est quand elle est malveillante. C'est quand voilà, on m'insulte, voilà, ou que je suis dans une position humiliée, etc. Et là, j'ai de l'audience médiatique. Pour le reste, voilà. Donc la question, c'est pourquoi quand même je continue. Alors, je ne vais plus n'importe où, mais parce qu'il y a pour moi, il y a une bataille politique à mener. Je pense qu'il y a des collègues qui se débrouillent bien mieux que moi sur certains formats parce que voilà, il faut aller mener la bataille. Mais c'est un peu abstrait, en fait, de... Le problème, c'est que quand on dit l'extrême droite, quand on a un paysage politique qui s'est extrême droitisé, avant, c'était, entre guillemets, facile. C'était Le Pen, père, voilà, l'épouvantail, donc on ne débattait pas avec lui, ou ses lieutenants, etc. Maintenant, excusez-moi, quand vous avez, je veux dire, que peut dire quelqu'un qui est quand même le président du premier groupe au Sénat, qui s'appelle Bruno Retailleau, les choses qu'il a dites... sur des antennes de grandes matinales, etc. C'était la régression aux origines ethniques, c'est du racisme. Et donc, est-ce qu'on débat ou pas avec Retailleau ? Il n'est pas RM. Il est président du premier groupe du Sénat. Donc, du coup, là, elle est où la distinction ? La question de l'extrême droite, où est-ce qu'elle commence ? C'est vrai que Darmanin. L'extrême droitisation de la droite. Et même, voilà. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on va y faire ? Voilà. Mener à un moment donné, voilà, le débat Jean-Luc Mélenchon, c'est pas non plus, ça sort pas de nulle part. Jean-Luc Mélenchon contre Zemmour, c'est dans le cadre d'une campagne électorale, voilà, où
cette candidature, elle a été portée comme avec ces couleurs-là qui sont islamophobes, etc. Et donc, il s'agit de marquer, à un moment donné, une rupture, que quelqu'un dise, en fait, ça suffit. Donc, y a, c'est pas un truc qui, y compris qui n'est pas isolé d'une campagne et d'une dynamique de campagne. Donc, ça se discute. Ça aurait pu ne pas être le choix, finalement, mais ça se discute. Donc, moi, je suis pour le prendre comme ça. Et puis, après, les gens, ils font aussi ce qu'ils se sentent de faire. Capable de faire. La question est beaucoup plus difficile, les réponses sont beaucoup moins claires. Parce qu'il n'y a pas une réponse de oui ou non, en fait, aujourd'hui. Oui. Par exemple, je refuse, quand j'ai les moyens de le refuser, sinon de toute façon, j'y vais pas ou il ne me rappelle pas, de dire quand c'est un face-à-face. Où il n'y a que le RN. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, là, je comprends le dispositif, ce qu'ils veulent, c'est avoir voilà, le RN, l'insoumise, Obono, etc. Et je dis, en fait, non. Ou alors, il faut qu'il y ait d'autres gens. Donc maintenant, voilà, il y a d'autres gens très à droite sans être RN. Mais en fait, le propos politique, il va être aussi outrancier. Mais simplement, je ne veux pas être dans un dispositif où, en fait, voilà, tu as le face-à-face et les deux extrêmes, en gros. Donc, c'est comme ça qu'il faut analyser les choses. Quel est le dispositif et à quoi il va servir? Et surtout, qu'est-ce que nous, on a à y faire? Okay. Par contre, Chine là-dessus, oui. Je pense qu'il faut mener la bataille. C'est pas un champ neutre, c'est pas vrai. Je crois pas au truc des les idées, le débat démocratique, la neutralité. Okay. C'est un champ de bataille politique. Oui. Et il faut mener cette bataille politique. En même temps que nous, ce qu'on a développé aussi, c'est une stratégie sur les réseaux sociaux, pour dire que voilà, c'est aussi une manière de créer de l'actualité autre que dans le cadre réduit des médias traditionnels. Et puis, mener une bataille politique de fond. Comment on combat l'extrême droite? On combat en faisant le travail de terrain aussi. Parce que je reviens sur le truc de... Les médias et la société, c'est pas la même chose. Ce qui se passe dans la société, moi je vous dis, ces derniers mois, alors on a beaucoup parlé de moi en me parlant de la soutien du Hamas, etc. Moi j'ai passé les 6 derniers mois à faire une campagne pour la réouverture des accueils physiques des services publics. Je suis partie dans plein de bleds où les gens avaient certainement entendu parler au moment où voilà, mais en fait voilà, et qu'on a fait passer voilà. Donc ce travail de terrain, vous parliez de comment on parle aux classes populaires, etc. Mais en fait c'est ce terrain là en fait qui fait que du coup les gens ils voient, y compris qu'ils me disent ah je vous avais vu à la télé, je vous imaginais pas comme ça, en fait ils se rendent compte de c'est quoi. Donc on se bat contre l'extrême droite en faisant ça, en faisant le taf sur le terrain, en mettant en avant des propositions politiques et en menant la bataille voilà tactiquement, avec des choix tactiques, selon des moments, avec qui est capable de faire quoi. Moi, je ne suis pas pour laisser le champ. J'ai compris que c'était en le faisant bien, en tout cas. Non, mais il faut le penser. Il faut le penser politiquement et pas en se disant une espèce de pluralisme qui existerait en soi. C'est auquel pas on participe de facto. Dernière question vous, Paul, et très rapidement, parce qu'on est très, très en retard. Comment est-ce qu'on lutte contre l'extrême droitisation de la France, des médias? Et est-ce que vous pensez, même si je connais la réponse parce que vous participez à ce genre de débat, est-ce que vous pensez qu'il faut débattre avec l'extrême droite? Alors, sur la première question, comment est-ce qu'on fait en sorte que la France ne tombe pas dans les idées d'extrême droite dont vous parliez? Je pense, et là je vais être d'accord avec la conclusion de Daniel Obono, que c'est effectivement dans l'action politique, moi je ne suis pas un politique, mais en tout cas, ou alors dans l'action éditoriale, dans ce qu'on peut écrire, ce sur quoi on peut travailler, avec qui, quel projet, moi je mène des projets culturels en région, avec plein de gens, etc. En fait, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour, dans nos travaux, quel que soit ce que l'on fait, amener des idées sur un certain nombre de points humanistes, les droits de l'homme, la solidarité, l'écologie. Il y a un certain nombre de sujets qui méritent d'être traités. Et je pense que la société française, les Français sont un peuple politique, les Français sont intelligents, et que si jamais on donne un substrat culturel de qualité aux gens, et qu'on y va, et qu'on se retrousse les manches, les politiques font un travail, les artistes font un travail, les intellectuels font un travail, que sais-je, je pense qu'on peut y arriver. Et que ce travail-là, et donc j'en viens à la deuxième partie de votre question, ce travail-là, il doit se prolonger dans tous les endroits où on vous tend un micro. Donc que ce soit, moi je fais des conférences dans des universités, je fais des débats avec des gens qui pensent diamétralement le contraire de moi sur tous les sujets. Il n'y a pas un seul sujet sur lequel je refuse un débat. Vous voyez, je suis venu chez vous, je ne vous ai pas demandé, vous m'avez dit, j'ai mis rien. OK, à tout à l'heure. Voilà. Je n'ai pas demandé même qui retourne la table, je ne savais même pas qui y avait. Si, j'ai trouvé où c'était, j'ai pris ma voiture, je suis venu, bon, j'ai dit, tiens, très bien, c'est là, je suis rentré dans la cour, je suis monté, il y avait de la lumière, le plateau était beau. Je me suis installé, on est bien chauffé, je suis en chemise, je me suis dit, j'ai passé une bonne soirée de débat.
Ben, va falloir se mobiliser. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai été content de venir. Je pense que cette attitude que j'ai eue à votre égard en venant ici, sans aucun préjugé envers ce que l'on allait pouvoir me poser comme question, je pense que c'est un travail que l'on doit se faire, moi, quand on est voltairien, partout. Partout. Alors après, évidemment, si vous arrivez dans une grotte obscure avec des fascistes d'extrême droite qui font des ratonnades et qui zigouillent tout le monde dans les traboules à Lyon, ou si vous allez avec des gens qui prônent, je ne sais pas moi, l'islamisme radical et qui ont participé aux attentats du Bataclan, on n'y va pas, ok. Mais pour le reste, ça fait quand même un sacré spectre où on peut y aller. Vous n'avez pas dit le mot islamisme sur l'émission. Donc, je pense, bah, non, c'est quand même grave aussi, quoi. Ces extrêmes, ils sont pas mal. Alors, on va. Vous êtes d'accord avec moi sur le fait que les deux sont condamnables? Oui, bien sûr. Moi, cher monsieur. Je ne le fais pas, c'est pas mon genre, vous me connaissez mal. Et on va conclure l'émission, on est déjà très en retard, merci, désolé pour les problèmes de son qu'il y a eu, ces problèmes vous ne les aurez pas dans le replay qui sera posté juste après. Je voulais dire un truc par rapport à Daniel qui a vécu une séquence qui peut être comparée à celle de Yacine et qui peut être comparée à ce qui se passe aujourd'hui avec Mélenchon. C'est vrai que Daniel, elle est partie sur un plateau un matin et elle a dit des choses avec lesquelles on peut ne pas être d'accord. Le problème, c'est ce qu'on a essayé de faire d'elle. Et c'est là où je trouve que les médias sont totalement pourris, hein, je vais utiliser le mot. C'est qu'on a vraiment voulu faire de Daniel Obono un soutien des attentats qui se sont passés en Israël. Et c'est là où je trouve que les médias deviennent la caricature d'eux-mêmes. C'est-à-dire que on ne peut plus aujourd'hui, avec cet extrême centrisme, hein, cette volonté que tout le monde porte des cravates et des costumes, et ça a été repris aussi à l'Assemblée nationale, c'est qu'on criminalise certaines personnes parce qu'elles mettent des baskets ou parce qu'elles sont de gauche, et d'autres qui vont commettre des délits ou des crimes bien pires, celles-là, on ne jette jamais l'opprobre sur elles. Donc, quand on parle de liberté d'expression, il faut essayer de l'entretenir aussi dans les médias dans lesquelles vous participez, les émissions dans lesquelles vous participez. Et c'est vrai que la manière dont a été traité Daniel et le fait de vouloir lui faire dire des choses qu'elle n'a jamais dites et en plus auxquelles elle ne croit pas du tout, c'est-à-dire que je ne la connais pas personnellement, mais il y a juste à écouter un petit peu ce qu'elle dit pour comprendre que jamais de sa vie, enfin, elle a supporté. Et le mainstream a passé son temps, des journées et des journées. C'est ce qui passe avec Mélenchon aujourd'hui. On critique plus, enfin on commente plus les tweets de Mélenchon que les problèmes réels des Français. Et c'est là où je trouve que les médias ont un côté qui est ultra pernicieux, mauvais pour notre société et qui l'influence ultra mal. Voilà, c'était juste quelque chose, moi, qui m'avait vraiment spécialement choqué par rapport au traitement de ce qui s'est passé autour de la guerre, de ce conflit en Israël-Palestine. Mais spécialement envers Daniel, voilà, on a totalement biaisé son propos, ce qu'elle est. Et je pense qu'il faut se rendre compte que voilà, c'est pas facile. Et les gens qui ne le vivent pas, cette forme de stigmatisation, criminalisation, doivent tout faire pour ne pas participer à ce genre de stigmatisation. Ça pourrit et ça déconnecte les gens totalement des médias. Moi, quand je vois qu'on parle d'une chose qui n'est pas vraie, voilà, je zappe automatiquement. Et je pense qu'il y a plein de gens qui le font. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je vous redis l'appel qu'on fait pour pouvoir continuer à faire ces émissions avec cette liberté de parole, avec ces gens d'obédience et d'idéologies différentes. Et donc vraiment, la campagne pour 2024, elle est très importante. Vous nous avez énormément soutenus sur 2023. Donc on attend exactement le même soutien. C'est sur le site du Média. Vous avez un bandeau qui apparaît en dessous de moi. Donc soutenez-nous. C'est défiscalisé. Voilà, vous pouvez à 66%. On a des petits abonnements qui commencent à 5 euros. Donc on compte sur vous. Comme je dis à chaque fois, merci à tous. Et faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. À dans 2 semaines normalement. Ciao les gars.